Let's read the word of God. We're going to read in the book of Acts. On lit dans le livre des Actes des Apôtres. From verse, from chapter 3. À partir du chapitre 3. If we can stand, we have a custom to stand. When we read the word, it's not actually a custom. The Bible says in the book of Nehemiah. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Néhémie. That the people stood for the reading of the word. Les gens devaient s'élever quand on veut lire la parole de and Dieu. And Brother Brown says, when we pledge allegiance, or when we sing the national anthem, we stand. Brother Brown me dit quand on veut chanter l'hymne national, on se met debout. Donc il en est de même pour la parole de Dieu. To show our respect and honor to the word. De montrer le respect et honorer la parole du Seigneur. So Acts chapter 3, verse. Acte chapitre 3, verset 3. I do not have a projection today. J'ai pas le projecteur ou la projection. Yes. You can just read from your Bible. Nous pouvons simplement lire à partir de nos Bibles. Mm. The Bible says. La Bible dit. When he saw Peter and John. The Bible says, let's go from verse 1. Commençons à partir du verset premier. Now, Peter and John were going up to the temple at the ninth hour, the hour of prayer. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. And a man who had been lame from his mother's womb was being carried along, whom they used to sit down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Yeah, in order to beg alms to those who were entering the temple. But when he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking to receive alms. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. But Peter, along with John, fixed his gaze on him and said, "Look at us." Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, "Regardez-nous." And he began to give them his attention, expecting to receive something from them. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. And but Peter said, "I do not possess silver and gold, but what I do have, I give it to you in the name of Jesus Christ the Nazareth. Walk." Alors Pierre lui dit, "Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth. Lève-toi et marche." And seizing him by the right hand, he raised him up, and immediately his feet and his ankle were strengthened. Et le prenant par la main droite, il les fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. And with a leap, he stood upright and began to walk, and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Let's go to Acts chapter 19. Allons dans Acte 14, sorry. Acte 14, 14, from verse 8. À partir du verset 8. Acte 14, 8 to 10. 8 à 10. The Bible says, in Lystra, that's how you pronounce that word, in Lystra there sat a man who was lame. À Lystra se tenait assis un homme impotent, dépieux. He had been that way from birth and had never walked. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. He listened to Paul as he was speaking. Il écoutait par l'épaule. Paul looked directly at him so that he had faith to be healed.
Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul looked at the man and he saw that that man had faith in him to be healed. Donc Paul regarda cet homme et il vit que l'homme avait la foi en lui d'être guéri. The fact that he had faith to be healed did not make him heal straight away. Mais le fait qu'il avait la foi en lui n'a pas fait qu'il soit guéri automatiquement. And the Bible says, and Paul called out. Et la Bible dit, Paul prononça des paroles. Stand up on your feet. Et il lui a dit de se lever sur ses pieds. At that, the man jumped up and began to walk. Et à partir de là, l'homme s'est mis debout et commença à marcher. Had faith to be healed. Il avait la foi d'être guéri. Somebody has to speak to that faith that was in him. Mais quelqu'un devait parler à cette foi qui était en lui so pour que la foi vienne en action. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you, oh God. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment. We pray and commit the whole service in your hands, oh Father. Prions et nous remettons tous les services en tes mains. We are relying upon you, oh God. Nous attendons simplement à toi, Dieu. We pray that you will come today and speak to our faith. Nous prions que tu viendras ce matin pour parler à notre foi. So that the healing will take place. Alors la guérison prendra place. We pray, Lord Jesus Christ, that there will be a direct connection from you prions, and us. Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aura une connexion directe so entre toi et nous. So that the power that is on you can go from you to us. Alors la puissance qui est en toi viendra en nous. And the word of God will fulfill what it says it will do. Et la parole de Dieu accomplira ce qu'elle a dit qu'elle fera. In the name of Jesus Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse richement. Thank you for coming today. Et merci d'être venu ce matin. We appreciate to have all of you. Nous apprécions votre présence, tout un chacun de vous. And what the Lord is doing in this place. Et ce que le Seigneur fait en cet endroit. Last Sunday we had a very good long service. Et dimanche passé, nous avons vraiment eu un long service. I felt it was the longest I've ever preached. Ça là, c'était vraiment le plus long service que j'ai jamais eu. And I couldn't figure out why it took so much time. Et j'ai compris après pourquoi ça avait pris autant de temps. Oh non, j'ai pas compris. Until I understood it because we had a translator. Parce que j'ai compris après que nous sommes, comment dirais-je, on avait un interprète. Not because of me, because of the translator. Non, c'était pas faute, c'était la faute du traducteur. But now our service will be long. Today we're gonna have, we have a translator. They'll be long, so I don't preach too long. Alors nous avons un interprète aujourd'hui. Certainement que le service serait aussi long comme l'autre fois. My time is divided. Alors mon temps est divisé. Amen. Amen. But I pray that the presence of the Holy Spirit will be that you even forget about time. Ah, je prie que la présence du Seigneur soit aussi forte pour oublier les temps. Je crois qu'il est déjà là. Je sais qu'il est déjà là. Il est là dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le pouvoir de la connexion. But before we talk about the power of a connection, mais avant de parler de la puissance de la connexion, I want us to take some time to talk about power. Je veux d'abord que nous puissions parler sur la puissance. It's a word that we hear so much. C'est un mot que nous écoutons beaucoup. And what is power? Qu'est-ce que la puissance? As I'm studying this, quand j'étais en train d'étudier ceci, I have come to realize one thing. J'ai compris une chose. That there is power. Qu'il y a la puissance in power. Dans la puissance. Yes. Oui. And I asked a brother. J'ai demandé à un frère. If I tell you that there is power in power, do you understand what I mean? Si je te disais qu'il y a la puissance dans la puissance, et tu comprends ce que j'ai dit? He said, I think I get it, but I don't think most people will get it. Il a dit, je crois que je comprends, mais je crois que aussi d'autres personnes ne comprendraient pas. And I told him, if I tell you that there is power in power to power and in power, do you get what I mean? Si je te disais qu'il y a la puissance dans la puissance. To empower. Ah, de donner la puissance. There is power in power. Il y a la puissance dans la puissance. Power. Pour la puissance. And in power. Et pour donner la puissance. So let's talk about the power of power. Donc parlons de la puissance de la puissance. Because power is just not a word. La puissance n'est pas seulement un mot. Power is more than a word. La puissance est plus qu'un mot. And as I was doing my research, I didn't want to come here and look ridicule.
Et pendant que j'étudiais, je ne voulais pas venir ici être ridicule. And to, I wanted to know if there's somebody there who has already spoken about the power of power. Je voulais donc savoir s'il y avait déjà quelqu'un qui avait parlé de la puissance de la puissance. And I couldn't find any sermon on YouTube that was talking about the power of power. Donc, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait déjà prêché sur la puissance de la puissance. Et j'ai trouvé qu'il y avait un musulman qui a parlé sur la puissance de la puissance. Et c'est pour la première fois de ma vie de pouvoir écouter les sermons d'un musulman pendant au moins 30 minutes. To see what he was going to talk about. Et pour savoir qu'est-ce qu'il voulait parler de ces sermons-là. And he was talking about the power of power. Et il parlait de la puissance de la puissance. In the sense that when you have power, the more power you have, the more you want of it. Oh. Ah, il parlait dans le sens que quand vous avez déjà reçu la puissance, donc vous en avez besoin d'avoir encore plus davantage. Donc tu ne seras jamais satisfait. And he was talking about drug addiction. Et il parlait, comment dirais-je, des drogués. Alors quand vous êtes déjà drogué, vous voulez encore davantage d'avoir de la drogue en vous. So he said there must be power in power. Donc il disait, il faut y avoir de la puissance dans la puissance. So I said, okay. Donc j'ai dit, somebody else has received the same inspiration. Ah, je me suis donc dit, quelqu'un d'autre avait reçu la même inspiration. So we're going to talk about the, my sermon is the power of a connection. Donc, ma prédication, c'est la puissance de la connexion. But the first part will be on the power of power. Mais ma première partie serait la puissance pour la puissance. Yes, la puissance de la puissance. La puissance de la puissance. It doesn't make sense, but it does. Eh, ben, ça paraît comme si ça n'a pas de sens, mais certainement il y en a. By the hope of the Holy Spirit, you'll get it. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Amen. So, power, without power, there is no power. Sans la puissance, il n'y a pas la puissance. Yes. When it's there, you know that it is there. Mais quand la puissance est là, tu sais réellement qu'elle when est là. When power is there, it doesn't have to make too much noise to make it presence. Uh-huh. Quand la puissance est là, ça ne fait pas beaucoup de bruit pour se signaler. Because you don't see power. Parce que vous ne voyez pas you la puissance. Don't touch power. Vous ne la touchez pas. The only way that you know there is power here is when you see the result. Ah, la seule façon pour vous de voir que la puissance est là, c'est quand vous voyez les résultats. You know that there is electrical power in this building. Because you can see the lights are on. Vous savez qu'il y a de l'électricité dans ces bâtiments parce que vous voyez que la lumière est allumée. And everything that needs electrical power is working. Et tout instrument qui a besoin d'électricité est en train d'être utilisé. Then we know that there is power. Alors nous savons que la puissance est là. Yes, but we don't see what is power. Mais nous ne la voyons pas. Amen. So the word power has so many definitions. Alors le mot puissance a vraiment beaucoup de définitions. But I have come to understand one thing. Mais je suis arrivé à comprendre une chose. It does not matter what aspect or context you want to use the word power. Ça ne dépend pas de l'aspect ou le contexte dans lequel vous voulez utiliser les whether mots puissance. It's economical power. Et si c'est une puissance économique. Whether it's military power, military power. Et même si c'est la puissance militaire. If it does not matter, power is all about one thing. Ah, donc ça ne fait absolument rien. La puissance, c'est au sujet d'une chose. When we talk about power, we see the ability of things, making things happen. Ah, quand nous parlons de la puissance, c'est au sujet de voir les choses s'accomplir. Every time you hear about power, there is influence. Toutes les fois que vous entendrez de la puissance, il y a une influence. When they say that this man has power, et quand on dit que cet homme a la puissance, it means he has the ability to speak. Things and they happen. Ah, que cet homme a la capacité de parler des choses et les choses arrivent. It means that he has the possibility to influence others and change the course of events. Donc, ce monsieur a la puissance d'influencer les autres et de faire en sorte que des choses arrivent. And without any force or use of strength. Et cela sans que lui ne puisse faire quelque chose davantage. Without any physical interaction. Sans qu'il puisse faire quelque chose de physique. You see, force or strength is different from power. La force ou comment?
où l'énergie, c'est différent de la puissance. Power or force or strength is physical. L'énergie ou la force, c'est physique. But power is metaphysical. Mais la puissance est métaphysique. Meaning it is out of human perception. Donc ça veut dire que c'est au-dessus de la conception humaine. It is not something that you can just manage with your hands. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas manipuler par vos but doigts. You know that it is there. Mais vous savez que ça est là. Force is natural. La force est naturelle. But power is supernatural. Mais la puissance, elle est supernaturelle ou surnaturelle. That's why when you have power, you don't need to use force. C'est pourquoi quand vous avez la puissance, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force. You just speak and things happen. Mais vous parlez simplement, les choses arrivent. You give order and command and people must obey. Vous donnez seulement les ordres et vous parlez et les choses et les gens obéissent. Amen. So power is the ability to move things. Alors la puissance, c'est la capacité de bouger les choses. It's the ability to make things work. C'est la possibilité de faire en sorte que les choses changent. And as we get along, you will understand where the inspiration came from. Alors comme nous allons continuer, vous comprendrez d'où est venue l'inspiration. But I can give you one example. Mais je peux vous donner un exemple. This keyboard here, ce piano, it does not matter how expensive it is. Ça fait rien combien c'est cher. And how in a good shape it is. Et comment c'est encore intact et bien. If this keyboard is not connected to a power supply, it won't work. Ah, si ce piano n'est pas connecté à l'électricité, alléluia, ça ne fonctionnera power pas. Of connection. La puissance de la connexion. Amen. Amen. So as we spoke, there are different kind of powers. Alors comme nous avons parlé, il y a plusieurs différentes puissances. Political power. La puissance politique. Economical power. La puissance économique. But in general, mais en général, power is the ability to influence. La puissance a la capacité d'influencer. The ability to dominate. C'est la capacité de dominer. Even have control on others or things. Même avoir la puissance sur les choses ou sur les gens. And often the word power is associated to the word authority. Et souvent le mot puissance est connecté avec le mot autorité. But I want to tell you something. Authority is not power. Mais je vais vous dire une chose. L'autorité, c'est pas la puissance. You can have authority, but you don't have power. Vous pouvez avoir l'autorité mais sans avoir la puissance. And you can have power without having the authority. Mais vous pouvez avoir la puissance sans avoir l'autorité. What is authority? Qu'est-ce que l'autorité? Authority is the legal right to exercise power. Ah, l'autorité, c'est avoir les, comment dirais-je, la puissance légale d'exercer la puissance. And authority is often given to you based on the position you have. L'autorité souvent vous est donnée selon la position que vous occupez. At work, your manager or your supervisor has more power because of the position they have. Au travail, votre manager ou directeur ou même les superviseurs a plus de puissance sur vous à cause de la position qu'ils occupent. And when they give you order, you obey to them not because of them but because of the position. Ah, et quand ils vous donnent un ordre, vous obéissez non pas parce qu'ils sont quelque chose, mais c'est à cause de leur position when dans le you lose your position. Alors quand vous perdez votre position, you lose your authority. Alors vous perdez votre autorité. But power has nothing to do with the position you occupy. Mais la puissance, ça n'a rien à voir avec la position que that's vous occupez. Why you will see at work, c'est pourquoi vous verrez au travail, some people, il y a des gens have more influence even on their managers. Ah, ils ont plus d'influence même sur leur directeur. Why? Because they have power. Parce qu'ils ont la puissance. That's why you'll see at work. C'est pourquoi vous verrez au travail. That a manager. Un manager ou un directeur. With authority. Avec l'autorité. But she's crying. Mais elle est en train de pleurer. Because people are not obeying to what she says. Parce que les gens n'obéissent pas à ce qu'elle dit. So she has the authority but not the power. Alors elle a l'autorité mais elle n'a pas la puissance. Because power has nothing to do with the position. Parce que la puissance n'a rien à voir avec la power position. Power is something that you carry in you. La puissance est quelque chose que vous avez en vous. It has to do with your trait. You have that in you. Donc vous l'avez en vous. Amen. Amen. It has nothing to do with a position. Ça n'a rien à voir avec votre position. Amen. And there is other kind of men. Et il y a certains hommes who have the power. Ils ont la puissance and the authority.
Et ils ont en même temps l'autorité. And that's what we must be. Et c'est ce que nous sommes censés être. And that's what Jesus gave us. Et c'est ce que Jésus nous a donné. Amen. Amen. While we are talking about authority, et quand nous parlons au sujet de l'autorité, you cannot have authority if you are not under authority. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité si vous n'êtes pas sous l'autorité. Before anybody submits to you, you must be submitted to somebody. Ah. Avant que quelqu'un Amen. Soit soumis à toi, toi-même tu dois être soumis à quelqu'un. Listen, it is difficult to have authority on others if you don't know how the principle of authority works. Ah. C'est difficile d'avoir l'autorité sur les autres si vous ne connaissez pas comment cela fonctionne. So, for you to be able to speak and people obey, you must also be able to obey to somebody who is higher to you. Donc, pour toi, pour que tu sois obéi, toi aussi tu dois obéir à quelqu'un qui est au-dessus de toi. And the only person et la seule personne who have authority and power qui a l'autorité et la puissance without having somebody higher them sans qu'il puisse avoir quelqu'un au-dessus de lui, is the person of the Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. And that's what we call him, the Almighty God. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu Tout-Puissant. And we all bow before him. Et nous tous nous inclinons devant lui. When God wanted to swear to make a point, quand Dieu veut jurer pour faire quelque the chose, the Bible says because there was no a greater man than him. Parce que la Bible dit il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand and que lui. God swear by himself. Alors Dieu, il jure par lui-même. Amen. So, authority alors l'autorité is the ability c'est la capacité to exercise power legally. D'exercer la puissance légalement. When a man use power more than what the authority is or the law allow him to do, quand quelqu'un exerce l'autorité au-delà de la prescription, we talk about misuse of power. Alors nous parlons de l'abus de pouvoir. Amen. So as we spoke, authority, alors, to have authority, you must be under authority. Donc comme nous le disons, d'avoir l'autorité, vous devez être vous-même sous une that's certaine autorité. In the book of Mark 11, c'est pourquoi dans Marc 11, verse 28, verset 28, the teachers of the law, l'enseignant de la loi, the teachers of the law, les enseignants de la loi, and the elders, et les anciens, and the chief priest, et le chef prêtre, they look at Jesus Christ, ils ont regardé le Seigneur Jésus, and the way things were happening in his life, et ils ont vu la façon que les choses arrivaient dans sa the vie, the ability that he has to speak even to demons and spirits, and they must obey. La capacité qu'il avait de parler aux démons et aux esprits, et ils obéissaient. And that intrigued them. Et ça, ça les a intrigués. And they came to him with one question. Et ils sont venus vers lui avec une seule question. Who gave you the authority to do this thing? Qui vous a donné l'autorité de faire ces choses? Because there's no way you can just be doing these things by yourself. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire Hallelujah! Ces choses par toi-même. You must be receiving power and authority from somewhere. Certainement que tu reçois l'autorité, la puissance de quelque part. Gives you the power qui te donne la puissance to speak de parler. And things happen. Et choses arrivent. Hallelujah. Amen. And they wanted to know what was the source of his authority. Et ils voulaient savoir quelle était la source Amen. De son autorité. Hallelujah. Amen. He could speak fearlessly. Il pouvait parler sans peur. When they send military, quand ils ont envoyé les militaires, to stop him, to catch him, de l'arrêter, the soldier went and listened to him. Les soldats sont arrivés, ils ont écouté. And the Bible says he was speaking like a man with authority. Alors la Bible dit il parlait comme quelqu'un qui and avait l'autorité. They couldn't do anything to him. Et les militaires ne pouvaient rien faire. Because he was speaking with authority. Parce qu'il parlait avec autorité. And the authority that he has was not coming from himself. Et l'autorité qu'il avait ne venait pas de lui. But because he was connected to a superpower supply. Parce qu'il était connecté that avec transferring power to him une superpuissance qui lui transférait la puissance happen. De faire que les Hallelujah. Choses arrivent. Amen. Amen. Listen. Écoutez. When a police officer stops you in the street, quand un policier vous arrête sur la voie publique, and you even make sure you are nice to them, et tu dois faire en sorte que tu sois gentil because vers eux. If you don't behave yourself, things could get worse. Parce que si tu ne fais pas attention, les choses vont se dégénérer. You may be physically stronger than them.
Peut-être que physiquement tu es plus fort que eux. But because of the authority that they are coming with. Mais à cause de l'autorité qu'ils ont sur eux, you have to obey to what they say. Tu es censé obéir à ce qu'ils disent. A police officer, et un policier, in other words, is called a law enforcement agent. Il est appelé celui qui renforce la loi. So the government make laws. Alors le gouvernement fait des lois. The government give instructions. Le gouvernement donne des instructions. And the police make sure that people obey those instructions. Et le policier fait en sorte que les gens obéissent. Law enforcement agents. Donc ils sont là pour renforcer la so loi. So a weak, sissy, small boy police can stop you. Et alors, un policier peut être frêle et tout ça, maigre et tout ça, mais il peut t'arrêter. Even a woman police officer can stop you. Même une femme policière peut t'arrêter. You know, with one blow of my fist, I can destroy her. Je sais bien qu'avec un seul coup de poing, je peux la faire But tomber because à terre. Of the authority that she's coming mais under, à cause de l'autorité qui est sur elle, she's representing the government. Elle est représentante du gouvernement. C'est à cause de ce qui est derrière the whole elle. Government is behind her. Tout le gouvernement and est derrière because elle. Of that you must bow and obey. Et à cause de ça, tu dois t'incliner et obéir. Brother Branham says, et frère Branham dit, the same thing happened to the believer, la même chose arrive pour les croyants who have understood their position in Christ. Qui ont compris leur position en Christ. They can be physically weak. Ils peuvent être physiquement they frêles. Can be frail, but mais les démons, when they called upon the name of Jesus, quand le nom de Jésus est appelé, the demons and spirit must obey. Alors les démons doivent obéir. Because of the authority that they are operating under. Amen. À cause de l'autorité par laquelle ils opèrent. So power. Alors la puissance gives you authority. Ça te gives you authority. La puissance te donne l'autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. The power of connection. Le pouvoir de la connexion. I remind you, power is the ability to make things happen. Je vous rappelle, la puissance et la capacité de faire que les choses arrivent. The ability to make things move or work. Et ça fait en sorte que les choses se fassent. Not se long ago, il n'y a pas longtemps, there was a protest of truckers in this country. Il y avait les camionneurs qui protestaient dans la rue dans I ce pays. I don't know what was Brother Bert's position on that. Et je ne sais pas quelle était la position de Frère Bert. But there is something. Mais il y a quelque chose. But there is something that the government did. Mais il y a quelque chose que le gouvernement a fait. The prime minister wanted to stop that protest. Le premier ministre voulait arrêter cette But protestation. He was limited by the power that was given to him. Mais il était limité ou empêché par la puissance qui lui avait été Based accordée. On the position that he occupied. Par la position qu'il occupe. And to use a level or a higher degree of force. Et alors, utiliser un niveau élevé de la force. The Prime Minister had to call for the Emergency Act. Alors, le Premier ministre a appelé ce qu'on appelle un acte d'urgence. It means the government gave themselves more authority and power to act legally. Ah, ça veut dire que le gouvernement s'est donné soi-même Alléluia! Un certain droit d'exercer so, la puissance. They have to make sure they increase the authority and the right to even force people and use force on them. Alors ils ont utilisé ces procédés de leur donner soi-même de l'autorité pour forcer ces gens. Authority is the use, the legal use of power. Donc l'autorité c'est la façon légale d'utiliser la puissance. Alléluia. But you cannot have authority if you are not under authority. Mais tu ne peux pas avoir l'autorité si tu n'es pas sous l'autorité. That's why. C'est pourquoi in the book of Matthew First chapter 8, verse 8. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 8. There was a centurion who came to Jesus. Il y avait un centurion qui était venu à Jésus. And I think his servant was healed. Was healed. Je crois que son serviteur était. And guéri. He was sick. Il était si malade. And Jesus wanted to go to his house. Alors Jésus voulait aller dans sa maison. And look at what he said to him. Mais regarde ce qu'il lui a dit. Je ne suis pas digne. I do not deserve to have you come under my roof. Je ne suis pas digne pour que toi tu viennes sous ma maison, dans ma maison. But just say the word.
Mais seulement dis une parole. And my servant will be healed. Et mon serviteur sera guéri. Just say the word. Juste dis un mot. Why did this man? He realized there was not even need for Jesus to go in his house. Pourquoi cet homme avait réalisé qu'il n'y avait pas besoin que Jésus puisse aller là-bas dans sa maison? Dis seulement un mot. And my servant will be healed. Et mon serviteur sera guéri. Where did this man get this revelation from? Comment cet homme a eu cette révélation? From where Jesus was, he could speak the word and things would happen to your servant who was back at home. Sachant que Jésus pouvait dire simplement une parole et le serviteur serait guéri. It is because he said. Parce qu'il a dit, for I myself, parce que moi-même, I am a man under authority. Je suis un homme qui commande. So I know how authority works. Je sais comment l'autorité fonctionne. With soldiers under me, avec les soldats qui sont sous mon contrôle. I tell this one, go and he goes. Je dis à celui-là, part et il part. And that one, come and he comes. Et à celui-ci, viens et il vient. I say to you, et je te dis, I say to my servant, je dis à mes serviteurs, do this, fais ceci, and he does it. Et ils le font. Alléluia. Amen. Amen. Who gave this centurion power over his servant? Qui a donné à ce centurion la puissance ou l'autorité sur les autres? The connection that he had with the government. La connexion qu'il avait avec le gouvernement. The position that he had. La position qu'il avait avec le gouvernement. That's what gave him the authority. C'est ça qui lui donnait l'autorité. To command others. De commander les autres. And they did not have any choice than to obey. Et ces autres-là n'avaient pas de choix, d'autre choix que d'obéir. Alléluia. Amen. Amen. Because this principle that we're talking about. Et ces principes sur lesquels nous parlons. Work the same way in the spiritual. Ça fonctionne de la même façon. Amen. Spirituellement. Because the power that Jesus had over spirit and demon. Parce que la puissance ou le pouvoir que Jésus avait sur le démon spirituel. And they could not resist to him. Et ils ne pouvaient pas le résister. Because he had more power than them. Parce qu'il avait plus de puissance que. He has higher power. Il avait une puissance supérieure. So there are levels of powers. Donc, il y a des niveaux de puissance. There are levels of power. Il y a des niveaux de puissance. And the more power you have, the more access you have. Et alors, quand tu as plus de puissance, tu as plus d'accès. The more higher you are, de plus tu es haut, the more clearance you get. Et alors, tu as plus d'habileté. The more access you get. Alors tu peux accéder à plus. That's why I love something a preacher said. I was listening yesterday. Alors j'ai aimé quelque chose qu'un prédicateur a dit hier pendant que j'écoutais. He said that not all things are possible at all levels. Il a dit c'est pas que toutes choses sont possibles à certains niveaux. Not all things are possible at all levels. Donc toutes choses ne sont pas possibles à just un certain niveau. The Bible says that all things is possible to those who believe. It doesn't mean that everybody has that ability to make that things happen. C'est pas parce que la Bible dit toutes choses sont possibles à celui qui croit, cela veut dire que tout le monde peut le faire. It depends on the level that you have of your faith and the connection with your God. Et ça dépend au niveau de la foi et de la connexion que tu as avec ton Dieu, c'est ce qui te donne la puissance d'influencer et de faire en sorte que les choses aillent. Jesus has a higher power. Alors Jésus a une puissance élevée. Because more than demons. Plus que les démons. The devil has power. Les démons, ils ont la puissance. The devil, Satan, has power. Satan a la puissance. But the power of Jesus is higher. Mais la puissance de Jésus est au-dessus. Amen. 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 The Bible says. La Bible dit. Jesus had a higher power. Jésus avait une puissance supérieure. Because he was operating under the authority of the Father. Parce qu'il opérait sous l'autorité du Père. And that's where his power came from. C'est de là qu'est venue sa puissance. Because God, as we said, is the ultimate source of power. Comme nous l'avons dit, Dieu est la source suprême de la puissance. And we said again, you cannot have authority if you are not under authority. Et nous avons encore dit, tu ne peux pas avoir de l'autorité si tu n'es pas sous l'autorité. C'est pourquoi Jésus dit that the Son does not do anything until he sees the Father do it first. C'est pourquoi le Fils ne peut rien sans qu'il le voit d'abord faire au Père. Because his instructions were coming from above. Parce que ses instructions venaient d'en haut.
And God knows et Dieu sait that without the power sans la puissance and authority et l'autorité in this world, dans ce monde, you are defeated. Tu es déjà vaincu. It does not matter how much you called upon the name of Jesus. Ça ne fait absolument rien combien tu cries le nom de Jésus. You can call on the name of Jesus Christ and still be defeated. Tu peux toujours appeler le nom de Jésus et continuer d'être vaincu. Ça ne veut pas dire que la parole de Jésus n'est pas puissante. Ça dépend maintenant de la bouche de qui sortent ces paroles. Donc, ça dépend du niveau de connexion que toi tu as. God knows Dieu sait that for us to fulfill the purpose that he created us here, pour que nous puissions accomplir les buts pour lesquels nous avons sur terre, power. Nous avons besoin de la puissance. As I told you, comme je vous ai dit, I'm going ahead of my sermon. Je suis en train de précéder mon sermon. It doesn't matter how beautiful this thing is. Ça ne dépend pas combien le piano il est beau. If there is no power to power it, s'il n'y a pas de l'électricité pour lui donner de la source d'énergie, ça ne fonctionnera pas. Amen. Amen. And God made sure et Dieu fait en sorte that que his church does not lack power supply. Que son église ne puisse pas manquer de la puissance. He made it available. Il a fait qu'il y en ait en suffisance. Luke chapter 9. Luc chapitre 9. Verse 1. Verset 1. The Bible says, la Bible dit, then Jesus called the 12 together. Jésus a appelé le neuf ensemble. And gave them power and authority. Il leur a donné la puissance et l'autorité au-dessus de tout démon. And power to cure diseases. Et la Amen. And power to cure diseases. Et la puissance de guérir les malades. And he sent them out to proclaim the kingdom of God. Et il les a envoyés dehors pour aller proclamer le royaume de Dieu pour guérir les malades. As we, I said, comme je dis, that power is the ability to make things work. La puissance a la capacité de faire you que les choses arrivent. This keyboard need power. Ces keyboards là-bas for it to function or achieve the purpose for which it was created. Le piano a besoin d'électricité pour que ça accomplisse le but pour lequel so il a été fabriqué. Alors, the church of God, l'église de Dieu, without the power, sans la puissance, it is a dead church. C'est une église morte. And it will not achieve the goal or the purpose for which God placed it here. Ça ne peut pas atteindre le but ou l'objectif pour so lequel Dieu l'a placé. We need the power in this place. Alors nous avons besoin de la puissance sur and cet endroit. God made sure that we have an unlimited supply. Alors Dieu a fait en sorte que la source soit à proficience. As long as we can remain connected. Alors pour ceux qui sont connectés. Luke chapter 10. Luc chapitre 10. Verse 19. Verset 19. The Bible says, la Bible dit, behold, behold, voici, I have given you authority. Je vous ai donné l'autorité ou le pouvoir to tread on snakes, de marcher sur les serpents and scorpions, et les scorpions and over some power of the enemy. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Somebody just says amen. And that means you're not following. Because I didn't read correctly. I said he gave them power over some of the power of the enemy. And you said amen. No. So you're not following. Okay, excusez me. En français, I misquoted. Okay. No, that's not your problem. Okay, because me I read it correctly. Yes, you read it correctly. Yeah. But I want to see if the people are following okay, me. Okay. Amen. Okay. So the Bible says, alors la Bible dit, I have given you authority. Je vous ai donné l'autorité. To tread on snakes. D'avoir la puissance sur les serpents. And scorpions. Et les scorpions. And listen. Et écoutez. And over all the power of the enemy. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Nothing by any means alléluia. Shall hurt you. Et rien ne pourra vous nuire. Glory. Hallelujah. Amen. So God has made sure. Alors Dieu fait en sorte que. That the church has power. Que l'église ait la puissance. That is higher. Qui est élevée. Than all the power of the enemy. Au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. And by no means. Et cela sans que quoi que ce soit. Nothing should hurt you. Ne peut te faire du mal. If we can just take time
and reflect on the power there is in this world. Si nous pouvons seulement prendre le temps et de raisonner, de regarder la Amen. Puissance qu'il y a dans cette parole. Amen. 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 So, by no means, by any means, there's no way something is going to hurt you. Alléluia. Il n'y a aucune possibilité que quelque chose te fasse du mal. Because God has given you authority and power. Parce que Dieu t'a donné l'autorité Alléluia. Ainsi que la puissance. Amen. Amen. But when we look at the condition of the church today, mais quand nous regardons la condition de l'Église aujourd'hui, can we say that we are living up to that scripture? Est-ce que nous pouvons dire que nous accomplissons cette écriture? Maybe some of you are. Même certains d'entre but nous ici. The church of God is defeated. Mais l'Église de Dieu paraît vaincu. Not because there is no power supply. Est-ce que parce que nous manquons de la puissance? That's why I said in the beginning. C'est pourquoi j'ai dit au début. You can have authority without power. Tu peux avoir l'autorité sans la puissance. This gives us authority. Ça, ça nous donne l'autorité. But if we cannot apply and manifest this word, mais si nous ne pouvons pas arriver à appliquer cette parole, it means we lack the power. Ça veut dire que nous manquons la puissance. Because there is power in power. Parce qu'il y a la puissance dans la puissance. To empower. De donner la Amen. Puissance. Amen. Why is the church of God pourquoi l'Église de Dieu defeated with scriptures like this? Est vaincu par rapport à des écritures comme celle-ci. Amen. This authority has been given to all the believers. Cette autorité de la Bible a été donnée à tout croyant. To demonstrate this power and use it and de, authority. De faire en sorte de démontrer cette Alléluia. Puissance. But when we look at the church today, mais quand nous regardons l'Église aujourd'hui, when we look at our lives, quand nous regardons nos vies, it is clearly that we are not actually that empowered. C'est vraiment vrai que nous ne semblons pas être, avoir vraiment assez de puissance par rapport à la puissance que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. And which brings me to the next part of my subject. Et ceci m'amène à mon second the sujet power de, of a connection. De mon sermon. Amen. The power is there. La puissance est là. Over all the power of the enemy. Et c'est là au-dessus de la puissance de l'ennemi. But the church is not demonstrating this power. Mais l'Église n'arrive pas à démontrer cette But why? Puissance. Pourquoi? One thing. Une chose. Lack of connection to the power supply. C'est parce que les chrétiens ne sont pas connectés à la source de la puissance. Amen. Amen. Until we are connected. Jusqu'à ce que nous soyons connectés. To the power supply. À la source de la puissance qui we est Dieu, be able to manifest that power. Nous ne serons pas capables de manifester cette puissance de Dieu. Amen. Amen. Power makes things work. La puissance fait que les choses marchent. Power makes things move. La puissance fait que les choses arrivent. You can have a beautiful car. Tu peux avoir une belle voiture. If you don't have gas in that car, si vous n'avez pas les carburants dans les camions, dans la voiture, move. La voiture ne bougera pas. It won't move. Ça ne pourra pas. Because the car is powered by gasoline. Parce que la voiture a de l'effet quand il y a de, when, du carburant dedans. If you have a Tesla, si tu as un Tesla, you need to plug it to a power supply. Tu dois mettre ça, brancher ça à une prise Alléluia. Électrique. For the car to move. Pour que la voiture fonctionne. There is power in connection. Il y a la puissance de every, la connexion. Every time we talk about power, we see action. Et quand nous parlons de la puissance, nous voyons les Amen. Actions. Alléluia. Amen. One day, un jour, I wake up in the morning, je me suis réveillé le matin. It was around 4 to 5, I think. C'était 4h ou 5h du matin, je pense. That's where this few months ago. Ça, c'était il y a quelques mois passés. That's when I get inspiration for this message. C'est là où j'ai reçu l'inspiration de ce message. But I've never preached it. Mais je n'ai jamais prêché ça until today. Jusqu'aujourd'hui. And I believe that God kept it that way. Et je crois que Dieu l'a gardé comme ça jusqu'aujourd'hui. So as I woke up in the morning early. Ah, comme je me suis réveillé le matin très tôt. To make my coffee and start my day. Pour prendre mon café et commencer mon jour. Yes, I woke up early in the morning. Eh oui, je me suis réveillé très tôt le matin. As I usually do. Et comme d'habitude, je fais. In the last 48 hours. Et dans 48 heures. In the last 48 hours. 48 heures passées. I've barely had 8 hours of sleep. Sorry.
I have barely had 8 hours of sleep. Et je me suis pas endormi, je me suis endormi moins que 48 heures. Dans les 48 heures qui sont passées, ouais. J'ai difficilement eu 8 heures de sommeil. Ah, 8 heures, ok. I barely sleep. Je me suis pas vraiment endormi. I was in the office yesterday from 11. J'étais dans mon bureau à partir de 11 heures. Till quarter to four this morning. Jusqu'à 4h15 ce matin. And at 7 o'clock I was awake. Et à 7h du matin, j'étais debout. Because of this. À cause de ceci. Those who live with me knows. Ceux qui vivent avec moi savent. I'm always awake in the morning. Et je fais toujours comme ça le matin. Not because I love it. C'est pas parce que j'aime ça. But because I have come to understand one thing. Parce que je suis arrivé à comprendre une chose. If you want to be successful in life, si tu veux réussir dans la vie, you have to sleep less. Tu dois moins dormir. Amen. Amen. It does not matter whatever area of gifting that you are operating. Ça ne dépend pas dans quel domaine tu travailles. If you want to be efficient, mais si tu veux être efficace, you have to sleep less. Tu dois dormir moins. A Christian cannot afford to sleep 8 to 10 hours of sleep. Et un chrétien ne peut pas dormir 8 heures à 10 heures, non? Listen, science may tell you that is good for your health. Et la science te dira que c'est bon pour ta santé. And that may be true. Et ça, c'est vraiment vrai. But you can live long. Mais tu vas vivre longtemps. And have no impact. Mais sans que tu aies vraiment de l'impact. Yes, it is not how many years you've lived. Ça ne dépend pas de combien d'années tu as vécu. But it's how many lives you have in your years. Mais combien de vies tu avais dans tes années-là. Yes, it's not how many years you live. Ça ne dépend pas de combien d'années tu as vécu. But it's how many lives there is in your years. Mais dans ces années-là qui t'appartiennent, combien d'années tu as eu. If you want that kind of an impact and success, et si tu as vraiment besoin de cet impact et de ce succès, you have to do is that you have to cut your hours of sleep. Et tu dois couper tes heures de sommeil. And when you go to bed, you have to make sure you sleep fast and quickly. Et quand tu vas dormir, tu dois faire en sorte de dormir vite. So that you don't waste time. Et là, tu ne perds pas le temps. Those of you who are PhD like Brassam and Brassam knows that to get those grades, they have to stay awake at night and study. Les gens qui sont devenus des docteurs et tout, ils savent qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. I remember at school being awake at night, putting my feet in cold water so that I don't sleep to study. Je me souviens quand j'étudiais, je mettais des fois mes pieds dans de l'eau froide pour ne pas sortir. Peut-être que le frère aussi l'a fait. Because we have understood, if you want to be successful and distinct, I was telling a brother yesterday, I don't want to be an average preacher. Ah, je disais à un frère hier, je ne veux pas être un prédicateur moyen. Listen, I'm saying the last time I had a meal was yesterday at 2 p.m., 3 p.m. Et j'ai eu mon dernier repas, that's c'était hier. That's the last time I have a full plate of meal. Vers 15 heures. It's not because I don't have anything to say. C'est pas parce que j'ai rien but à dire. It is because I want life to be beyond my words. Mais je veux qu'il y ait la vie après mes mots. When I speak, things move. Et quand je parle, les choses arrivent. When I speak, things happen. Et quand je parle, les choses se font. That level of power. C'est le niveau de puissance. Comes with sacrifice. Cela vient simplement quand il y a des sacrifices. A Christian, you go to bed at 9 p.m. You wake up at 9 a.m. Et un chrétien, tu vas dormir vers 21h, tu t'élèves à 9h du matin. 12 heures de sommeil, vraiment honte pour nous. That's why we are defeated. C'est pourquoi nous sommes vaincus. Amen. Amen. You want to sleep long, sleep during the day. Si tu veux vraiment beaucoup dormir, dors alors pendant la journée. But at night, mais la nuit, every now and then, make sure you are awake early. Fais en sorte que tu puisses te lever très tôt. Pourquoi? Because there are things that happen only when you pray at night. Il y a des choses qui arrivent seulement quand tu pries la nuit. You can pray all day as you want. Tu peux prier toute la journée comme tu veux. And nothing happens. Et rien n'arrive. But when you stay awake at night. Mais quand tu es éveillé la all nuit. Alone, tout seul. And you make sure the light is off. Et tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de lumière. So that when the pillar of fire comes, you don't miss it. Alors quand la colonne de feu arrive, tu ne manques pas. So that there is nothing around you to distract you. Et il n'y a rien tout autour qui Amen. Va te déranger. Because this, at night, la nuit, decisions are made about people's destinies.
C'est la nuit que les décisions se font pour la destinée des gens. Amen. Alléluia. Amen. Yes, at night things happen. La nuit, les choses arrivent. If you sleep a lot, si tu dors beaucoup, the devil takes advantage on you. Et le diable va prendre l'avantage sur toi. If Jesus was not awake that night, si Jésus n'était pas réveillé cette nuit-là, Peter would have been sifted like wheat. You get that? If Jesus was not awake, that si Jésus n'était pas éveillé cette nuit-là, Pierre allait être broyé comme je ne sais pas quoi, comme le maïs. Yeah. Mm. But it is because when Peter was sleeping, Jesus was interceding. Mais pendant que Pierre dormait, Jésus était éveillé. Amen. Amen. Wake up at night. Réveille-toi la nuit. Prayer made at night. Prie la nuit. It's more effective. C'est plus efficace. Amen. Because decisions about destinies are made at night. Parce que les décisions de la destinée des gens se font la nuit. And because the church is defeated because we sleep a lot. L'église est vaincue parce que nous dormons beaucoup. Don't get science. Let's say that science fool you that you need to sleep 8 hours to live longer. Listen, the man who has never lived long in the Bible is Matusela. All we know is his name. We don't know anything else about him. Ne suivez pas la science qui dit qu'il dormait 8 heures. So parce que Matusela a beaucoup vécu, mais nous ne connaissons rien de lui. 900 and I think 79 years. But that's all we know. Matusela a vécu pendant 978. What do we know? Tant, mais qu'est-ce que nous savons de lui? But Jesus lived 33 years. Et Jésus a vécu 33 ans. And 2000 years ago we still talking about him. Mais même Alléluia! Aujourd'hui nous continuons de parler Because de lui. Of the impact. C'est à cause de l'impact. And the life was in him. Et la vie qui était en lui. And that came through the connection. Et cela est venu à travers la connexion. He had with the Father. Qu'il avait avec le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. The best time to pray is early in the morning. Le meilleur moment de prier c'est la nuit. Brother Branham says this. Branham dit ceci. In the message, the angel and the commission. L'ange et sa commission. Paragraph 17. Branham me dit. Paragraph 17. I went to the hotel that night. J'étais parti à l'hôtel cette nuit-là. My brother Donnie and my little son Billy. Mon frère Donnie et mon fils Billy. They went in the hotel. Ils étaient partis à l'hôtel. It was about 2 o'clock in the morning. C'était à environ 10 heures du matin. And I was laying down sleeping. Et j'étais là en train de dormir. I just had went to sleep. Et c'était vraiment dur pour moi pour dormir. Which I don't sleep very much at night. Ce qui est vrai, c'est que je ne dors pas beaucoup la nuit. Always in prayer. Souvent en prière. Alléluia. That's right. And he continued. Et il continue. Night time. La nuit. When all demon powers shut down toward the morning. Quand toutes les puissances des démons commencent à s'effondrer dans la matinée. Okay. When they are not roaming. Quand ils sont pas en activité. That's the time the Holy Spirit moves in. Ça, c'est le temps que le Saint-Esprit rentre en action and talk to me et commence à me parler. When? Quand? At night. La nuit. Early in the morning. Donc, le matin, très tôt matin. The prophet says demons wait at night. Parce que les démons travaillent dans la nuit. And as the day is coming, et comme le jour arrive, the power is going down. Leur puissance s'amoindrit. So when you wake up at 9 a.m., alors, quand tu te réveilles à 9 h, you are already cheated on and defeated. Et tu es déjà vaincu, c'était déjà fini. And he said, et il dit, that's the time the Holy Spirit moving and talk to me. Ça c'est le temps vraiment comment dirais-je vers les matins là go, que le Saint-Esprit vient pour me parler. Go early if you want to pray. Va prier très tôt. Rise up early. Et réveille-toi très tôt. The prophet says if you want to pray, rise up early. Réveille-toi très tôt. Or stay awake at night. Ou alors sois éveillé la nuit. That's the time the Holy Spirit moves in and talk. Ça c'est le temps que le Saint-Esprit vient Last pour parler. Two nights ago, I was praying at 1 a.m. in the morning.
Et je priais encore à 1h du matin cette Friday, nuit. I fasted all day. Et le samedi, j'étais and en jeûne toute la journée. Et la nuit de vendredi à samedi, j'étais dans l'office priant. Et je n'ai jamais prié comme ça en langue de toute ma vie. Et j'ai dit enlever ma chemise parce que j'étais trempé de sueur. J'étais là parlant à Dieu en esprit. So that when we come here, there is an impact. Alors listen, quand nous venons ici, il y a de l'impact. We don't come here to play churches. Nous ne venons pas pour listen, jouer à l'église. From the very first day that this building was opened, supernatural things take place here. Depuis le premier jour que cette église a été ouverte, des choses naturelles arrivent ici. It is the truth. Et je vous dis, c'est la vérité. The first day when we spoke about and the goodness and the loving kindness of God. Le premier jour que nous avons parlé de l'amour de Dieu, ce qui amène la présence de Dieu, le fait de s'en aller dans les temples, il y a une sœur ici qui a vu la colonne de feu ici. Certains ont dit qu'ils pouvaient le sentir. Il était là. Je vous avais dit que quelque part, là où le surnaturel travaille, l'impact reste. Et maman me disait son témoignage hier. Elle était venue prier ici hier. Oh, elle priait pour consacrer le service d'aujourd'hui. Et quelques temps après, elle était en train de tourner sur la terre. Et elle a senti comme s'il était ivre. Elle était ivre de l'esprit dans cet endroit. À cause de la présence qui est ici. Écoutez, choses arrivent. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais tu es déjà en train, on est déjà en train de parler de toi dans la cité. Les gens parlent de toi. Deux services. Et les gens parlent déjà. Ce que j'ai dit, je ne l'ai pas entendu des hommes. C'est Dieu qui m'a dit que les gens parlent. Dieu l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Que les hommes parlent de ces deux services. Je parlais avec un frère en Afrique. Il a dit qu'il suivait notre sermon par le streaming. Et il était si captivé par l'esprit. Il pensait quand il sortirait de sa maison, il va se retrouver ici. Alléluia. He said he was crying, shouting. Listen. Il dit qu'il pleurait, il criait. People wish they was here. But that comes with sacrifice. Il pensait être ici, mais ceci Amen. Arrive avec des sacrifices. Alléluia. Amen. Waking up early. Se réveillant le matin. Luke 6 chapter 12. Luke chapitre 12. It was at this time. C'est dans ces temps. He went off to the mountain to pray. Et Jésus était parti à la montagne pour prier. And spent the whole night in prayer to God. Et il a passé tout le temps la nuit là-bas en train de prier devant Dieu. Amen. Genesis 32 verse 24. Then Jacob left alone and a man wrestled with him until daybreak. Dans Psaume 119-62, Genèse 32-24, Jacob est resté avec un homme tous les temps jusqu'au le matin. Je ne vais pas te laisser aller sans que tu me bénisses. Quand tout le monde dormait, lui il était en train de se battre. La nuit avec Dieu. Et alors la lumière arrivait. Et Dieu s'est dit, je dois lui donner ce qu'il a besoin. Et il lui a donné un coup. Et il n'était plus le même homme. Pourquoi? Parce qu'il se battait la nuit. Psaume 119-62. La Bible dit à minuit, je dois me lever pour te donner la gloire ou le remerciement.
Quand? At listen, you are fast. À minuit. You get out of your sleep just to praise God. À minuit, tu te lèves simplement pour louer Dieu. Listen, we have a level that we must reach. Il y a un niveau que nous devons atteindre. Amen. Amen. There are times when God wants you to be it deprives sleep from you. Quand Dieu te veut, il ne veut même pas que tu dormes. Alléluia. Tu dois prier, veiller. Why do you think Peter in prison? Pourquoi tu penses que Pierre en prison? Suddenly an angel that just appeared to take him out of the prison. Soudainement un ange est apparu pour l'enlever de la prison. But because back at home. Parce que là à la maison. At night. Dans la nuit. Instead of sleeping. Au lieu qu'il dorme. His brother was awake interceding to him. Les frères étaient en prière, priant pour lui. Réveille-toi tôt. The Bible says Paul and Silas. La Bible dit Paul et Silas. At midnight. Dans la nuit. They decided to start praying and praising God. À minuit, ils ont décidé de prier, de louer Dieu. Why not at 7 p.m.? Pourquoi pas à 7 heures? Because they are strategic hours for prayer. Parce qu'il y a des heures stratégiques pour prier. Amen. Amen. And as they start praying, praising God at midnight, and suddenly the whole building was shaken. Et pendant qu'ils priaient la nuit là, tous les buildings a bougé. Even through there are strategic hours of prayer for prayers. Il y a des temps stratégiques pour la prière. I'm still introducing my sermon. Je suis toujours dans l'introduction. That's why when we read the Acts chapter 3. Quand nous lisons dans Acte 3, the Bible says Peter and John, Pierre et Jean, went to the temple at 3 o'clock, the time of prayer. Ils sont partis au temple au moment de la prière. Listen, there is a reason why there is that details there that 3 p.m. was a time of prayer. Il y a une raison pour qu'il y ait ces détails de 3 heures dans l'après-midi ou dans la nuit. You read your Bible. Tu lis ta Bible. That at noon. Peter went on the roof of the house to pray. Dans le soir, Pierre est parti and sur le toit pour prier. In et il était rentré dans une why vision. The Bible specified that it was at noon? Pourquoi la Bible dit que c'était l'après-midi? Strategic hour for prayer. Il y a des heures stratégiques pour prier. 3 p.m. The Bible says Cornelius was praying and an angel of God appeared to him. 3 heures de l'après-midi, Corneille priait et l'ange lui est apparu. Why? Pourquoi? Strategic hour for prayer. Des heures stratégiques pour la prière. 12 p.m. 3 p.m. 12 heures de l'après-midi. 12 a.m. 3 a.m. 12 heures du midi. Those time of junction. Ces temps des jonctions. Things happen. Les choses arrivent. Hallelujah. Amen. So, let's go back to my subject. I haven't told you where the inspiration came from. So I woke up early in the morning. Donc je rentre dans mon sujet, je vous ai pas encore dit d'où est venue mon inspiration. And as I was je me lève le matin. And I was going to make my coffee. Et je voulais faire mon café. To start my morning devotion or meditation. Pour commencer ma journée. And something caught my attention in the house. Et quelque chose a attiré mon attention dans la something maison. Something very strange and particular. Quelque chose d'étrange et de particulier. And I'm sure you've already seen that, but it has never caught your attention. Et je suis sûr que toi aussi tu l'as déjà vu, mais peut-être que ça n'avait pas attrapé maybe ton attention. Maybe somebody else may have seen that before they go to bed. Peut-être certains le voient avant d'aller au lit. But they didn't think there was a lesson to learn. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une leçon à apprendre. What I saw was I saw my daughter's phone. J'ai vu le téléphone de ma fille. Nicole's phone. My daughter's phone was where the charger, the plug is. Le téléphone de ma fille était là où il y avait les chargeurs. And the charger was there. Et le chargeur y était. So I said, knowing Nicole, I better make sure this phone is charged. Connaissant so Nicole, il faut faire en sorte que ce téléphone so that soit chargé. She's not fighting, she wants to take mine. Alors on ne va pas se battre pour qu'il ne prenne pas le mien. So I have decided to check if that phone was charged. Et j'ai décidé de regarder. You see, it was easy. I could just assume just because the phone is there where there is the plug-in and the charger, it must be charged. Je pouvais aussi imaginer que c'était déjà chargé. But when I went to check the phone was fully, was flat dead. It couldn't even turn off. It was not charged. Ton
Donc le téléphone était complètement à plat, ça ne pouvait même pas s'allumer. The charger was there. Le chargeur était là. The plug was there. Et la plaque était là. The only thing was missing. La seule chose qui manquait, the connection between the power supply to the phone. C'était la connexion entre la puissance électrique et le phone. For the phone to receive the power that it needs to work. Pour que le téléphone reçoive la puissance dont elle a besoin and pour said, fonctionner. And I said, Lord, I get it. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai compris. Because sometimes in life you can have all it takes. Alléluia. Quelquefois dans la vie, you can have all it takes. Tu peux tout avoir. You can have all the qualifications and the skills. Et tu peux avoir tout ce qui est demandé. But you are not functioning. Mais tu ne fonctionnes Why? Pas. Because you don't have connection. Parce que tu n'as pas la connexion. Because there are, listen, there are places where your qualification will never take you. Il y a des places où ta qualification ne va pas t'amener. You meet somebody who will connect you to those people. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui va te connecter à and ces gens. There are places that you will get in your life. Et il y a places où tu vas arriver dans ta vie. That they will treat you with favor, not because of you. Ils vont te traiter avec because of whom you are connected to. Avec valeur à cause des gens avec qui tu es connecté. My mother went somewhere. Ma mère est partie quelque part. She went to so they can braid her hair. Elle était partie se coiffer. And the people knows who was there. Et le peuple, les gens qui étaient là-bas. And somebody says that Levi's mother. Et les autres ont dit ça, c'est la maman de Levi. Some of you may not know it, but in my country, I've got a little name. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas, mais dans mon pays, j'ai un petit nom. There are places where I have to work with security. Et il y a des places où je travaillais avec la sécurité. I have to work with security. Comment? I have to work to be escorted. Ah, ok. So donc tu devais être protégé. So that my suit don't get torn. One day I take off a suit in church and I don't know where it goes till today. Somebody stole my suit in the church. J'étais protégé parce qu'on pouvait me voler facilement. Un jour, j'ai perdu ma veste so comme ça. So my mother got there and somebody said that Levi's Bushiri's mother. Alors quelqu'un a dit ça, c'est la maman de Levi's Bushiri. And straight away, the sister went to the kitchen, start preparing food. Et la sœur est partie dans sa cuisine pour préparer not à manger. Not because of her. Non pas parce que à cause because d'elle. Because of whom she was connected. Mais à cause de qui elle était connectée. Listen, you favor. La connexion te donne des faveurs. So you can have all it takes. You see somebody. Alors tu peux tout avoir. Sometimes life is not what you lack, but it's who you lack. Quelquefois la vie c'est pas ce que tu veux, mais qui tu veux ou qui tu as. C'est pas ce que tu manques. Ah, c'est qui tu manques. Ah, d'accord. Amen. Okay. So as I look at that phone. Alors quand j'ai regardé à ce téléphone. Placed there at the right place. C'était bien placé. With the right equipment. Avec l'équipement vraiment approprié. But the phone was fully flat, fell flat. Mais le téléphone flat était low bat. Because somebody has not connected the phone. Parce que quelqu'un ne l'a pas connecté. Hallelujah. Ouais. And that's where my sermon came. Et c'est de là qu'est venu mon sermon. And as I was looking at that straight away, a scripture came in my mind. Alors quand je regardais l'écriture est venue dans mes pensées. That there was a man who was lame from birth. Il y avait quelqu'un qui était immobilisé depuis son enfance. Sitting at the right place. Mais il était assis au bon endroit. The gate of the temple. Devant la porte du temple. Where people pass by to go and worship God. Où les gens passent pour aller adorer. And by coincidence, that gate is called beautiful. Et coïncidentellement. So you can be at a beautiful place, but in an ugly condition. Cette porte. Until somebody pass by. Hallelujah. To connect you to the power that will give you the strength to stand and move. Yeah. Amen. Yeah. Hallelujah. Donc par coïncidence, cette porte s'appelait la Belle. Yeah. Beautiful. I saw the phone and that scripture came. Et j'ai vu le téléphone, cette inspiration and est venue. And I got my inspiration. Hallelujah. Amen. So you can dress nice suit. Tu peux bien t'habiller. You can wear nice clothes. Tu peux porter des beaux vêtements. That does not mean you have power. Ça ne veut pas dire que tu as la puissance. Power comes through connection. La puissance vient par la connexion. Hallelujah. And sometimes to receive power.
Et quelquefois, recevoir la puissance. You must meet somebody who has power. Tu dois rencontrer quelqu'un qui a la puissance. Amen. 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 Listen, as I said, the power was there. La puissance était là. La puissance était là. But somebody had to plug the charger. Mais quelqu'un devait le connecter. The socket and connect, create a connection between the power supply and the phone, so that transfer of power can take place. Ok, le transfert de la puissance puisse arriver. If only we could understand. Si seulement on peut comprendre. Hallelujah. Amen. Amen. We need to be connected to receive power. Nous avons besoin d'être connectés pour recevoir la puissance. Amen. The phone in itself doesn't have power. Le téléphone en soi n'a pas la puissance. The phone in itself cannot produce power. Le téléphone en soi ne peut pas produire la puissance. But it has something or the ability in it to be connected and receive power. Mais il y a quelque chose dans le téléphone qui peut recevoir la puissance. And then it can une function. Fois connecté. Alors ça va fonctionner. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Somebody had to pass by to create a connection between those two things. Quelqu'un doit passer quelque part là pour créer cette connexion. There must be a wire. Il doit y avoir des câbles. That will stand between and do this. Qui doit être entre le téléphone et la puissance ou la plaque. And it goes through that wire and the phone function. Ça part de la source jusqu'au téléphone. Alleluia. Pour que le téléphone fonctionne. Amen. Amen. Why do you think that Peter has to help that man by the hand? Pourquoi Peter devait tenir cet homme par la main? Alleluia. Creating a connection. Ayant la connexion. That will take the power that was in him. Alléluia. Pour prendre la puissance qui était en lui. Et donner la puissance aux jambes de cet homme. Amen. Amen. There are people. Il y a des gens. Have reached a spiritual level. Qui ont atteint un niveau spirituel. That they have become power conductors. Et ils sont devenus de puissance ambulante, and disons. That's where we have to aim to be. Et c'est à ça que nous sommes appelés. When somebody meets you, they don't remain the same. Quand Amen. Quelqu'un te rencontre, il ne reste plus la même personne. Last, listen, we don't talk about things just for the sake of talking. Nous ne parlons pas des choses seulement pour parler. I may be still young, but I've had few experiences with God. Je suis encore jeune, mais j'ai quand même un peu d'expérience avec Dieu. Last, maybe 2 weeks ago, a sister called me from Africa. 2 semaines passées, une sœur m'a appelé d'Afrique. Few days ago, prior to that, I had a dream that she was getting madness. Et quelques temps avant, j'avais fait un songe comme quoi elle devenait folle. And that was the second time I had that dream. Et c'était la deuxième fois que j'avais le même songe. Before I never told it, this was like 2 years ago. Et cela s'était passé il y a 2 ans. And I believe that the Lord revealed it to me because of the connection we have. Et je crois que Dieu me l'a révélé, c'est à cause de la connexion que nous and avons. I spoke to her and I said, listen, I see a spirit of madness. Et je parlais avec elle pour lui dire, je vois l'esprit, j'ai vu l'esprit de la folie. So we prayed. Alors nous avons prié. And after praying, et après la prière, she went to sleep and she gave me other requests that she had. Elle est partie et puis elle m'a donné encore d'autres requêtes pour and prier. The next day at 10 p.m. on the very same day. Et le même jour, she started having headache at 10 p.m. Elle a commencé à avoir des maux de tête à 10 heures. Something was happening strange in her eye, in her head. Et quelque chose d'étrange commençait à arriver dans sa tête. And the next day, but she went to sleep anyway. Elle est quand même partie dormir de toute façon. The next day, et les jours suivants, at 10 p.m., she started having the same thing again. À 10 heures, elle a commencé à avoir les mêmes choses. She was getting drowsy. She was getting drowsy and dizzy. Ah, elle commençait à avoir des vertiges. And she was alone in the house. Et elle était seule dans la maison. So as she went to lie on the sofa, alors quand elle est partie s'étaler au lit, and she saw there was a woman there in front of her. Elle a vu qu'il y avait une femme qui se tenait devant elle. Dressed in black, but she could not tell the face. Elle était habillée en noir, so mais elle ne pouvait pas voir son visage. She was sitting here. Et elle était assise là. Lying down, and on the next sofa, there was somebody there. Et de l'autre côté, il y avait quelqu'un. She saw there was a presence while she was alone in the house. Elle a vu qu'il y avait une présence, bien qu'elle était seule. She said, I must be hallucinating.
Elle dit, je fais des hallucinations. So she wakes up and went closer and tried to touch or something, but when she withdraws, she sees there's somebody there. Alors quand elle s'est relevée pour aller toucher, elle a vu qu'il y avait quelqu'un là. And when she moves around from one room to another, she could tell that something was following her. Alors quand elle partait d'une chambre à une autre, elle pouvait dire qu'il y avait quelqu'un qui la suivait. She picked up the phone, she called me. Elle a appelé, elle a pris le téléphone, m'a appelé. And I said, put me under the speaker. Alors mettez-moi sous haut-parleur. I want that spirit to hear the sound of my voice. Je veux que cet esprit écoute les sons de ma voix. And as we pray, alors quand nous prions, spoken, et la parole était prononcée. Et quand je dis Amen, cet esprit s'était enfoui. Power conductor. Hallelujah. Quelqu'un qui détient la puissance. Amen. Amen. So, listen, I'm not trying to prove a point. I'm just saying these things are. Je le dis pas pour dire quelque chose à propos de moi-même, mais ce sont des témoignages. Je suis pas spécial. Some of you here have more experiences than I have. Certains d'entre vous ont plus d'expérience que moi j'ai, mais je donne seulement un témoignage. But these things work. Et ces choses fonctionnent, marchent. Ça dépend de la connexion que tu as avec Dieu. Amen. So some people, as I said, what was needed was a wire to take the power from the supply to the phone. Alors ce que je disais, c'est prendre la puissance de la plaque direct au téléphone. And technology. Alors la technologie. Has so much evolved today that we have even wireless chargers. La technologie a tellement avancé, maintenant nous avons des chargeurs sans contact. It is possible to speak things without even touching. Alléluia. Il y a la possibilité de dire des choses sans That's même toucher. Amen. C'est pourquoi why, je lis l'Écriture. Paul looked at the man, quand Paul a regardé l'homme, alors il a vu que l'homme avait la foi en lui d'être guéri. Alors Paul a créé une connexion sans fil à la foi de cet homme, et quand il a parlé, la puissance et le feu qui étaient en lui est parti de lui à cet homme, et alors cet homme, les jambes se sont redressées. La Bible dit l'homme était impotent depuis le ventre de sa mère. Il ne savait pas comment marcher. But a man looked at him in the eyes. Alléluia. Un homme l'a regardé aux yeux. And tell him walk. And suddenly, et il lui a dit, mets-toi debout et marche. And strength seized his feet. Et directement la force a saisi ses pieds. Stand and start jumping. Et l'homme s'est mis debout. Il a commencé à sauter. Why? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert de puissance. L'Église de Dieu. Dieu t'a amené pour être la puissance qui se transfère. Quand quelqu'un te raconte, sa vie ne reste pas la même. Amen. Même si tu utilises un chargeur sans contact, la connexion est toujours là. Alléluia. Amen. Amen. So without connection, sans la connexion, there's no transfer of power. Il n'y a pas de transfert de puissance. Connection gives access to power. La connexion donne accès au pouvoir ou à la puissance. When we talk about connection, we see these two things coming together. Quand nous parlons de la connexion, nous voyons deux choses venir ensemble. Connection is unity, union. La connexion, c'est mettre ensemble, l'union. Et où la connexion est établie, there is transfer of energy. Il y a les transferts d'énergie. There is transfer of information. Il y a les transferts d'information. Connection create communication. Les transferts produisent la communication. There are people right now on the other side of the Atlantic. Il y a maintenant même des gens de l'autre côté de l'Atlantique qui sont en direct en train de nous suivre. Parce que l'Internet nous a donné la possibilité d'être connectés. Hallelujah. Amen. So connection gives possibilities. Alors la connexion, ça donne la possibilité. And when, if the connection
connection is weak, alors quand la connexion est faible, there is dysfunction. Il y a un dysfonctionnement. There's high latency. That's a technical word. There is delay. Il y a le retard dans la connexion. Yes. If you have a weak connection, si tu as une connexion faible, if your signal is weak, et si ton signal est faible, you will dysfunction. Ça va mal fonctionner. The stronger is the connection, quand la connexion est forte, the quicker you get the result. Alors rapidement tu as les résultats. And I always say, faith is like a Wi-Fi. J'ai toujours dit, la foi c'est comme un Wi-Fi. The stronger is the signal, quand le signal est fort, the quicker you are able to transfer and download things. Alors tu peux faire les choses rapidement. Hallelujah! Amen. God. Amen. La connexion. Amen. Amen. And sometimes, like here, et quelquefois comme ici, to have a good quality connection, pour avoir une bonne qualité de connexion, that allow people to stream without any dysfunction, qui va permettre aux gens de regarder sans problème. To connect the computer directly to the router. Frère Sam a besoin de connecter directement les choses. He has to be connected directly to the power supply. Il doit connecter la connexion directement au power supply, la source de connexion. So there is no, alors il n'y aura pas d'interférence. Hallelujah. Amen. The power of connection. La puissance de la connexion. Listen, I'm just not coming here to be with words and to impress you. No. Je ne viens pas ici seulement avec des mots. Sometimes pour vous impressionner. You have to use things that we use on a daily basis to understand how the supernatural works. Ah, nous avons besoin de donner des exemples sur les choses avec lesquelles vous touchez so chaque jour pour comprendre le surnaturel. Peut-être que je suis un typologue ou un métaphoriste. Just to make my point. C'est juste seulement pour que j'atteigne because mon objectif. These principles apply in the spiritual. Parce que ces mêmes principes s'appliquent au spirituel. The stronger is the connection, the quicker you get result. Quand tu as une connexion forte, les résultats the sont more rapides. Faith you have, the more quickly things move. Quand tu as plus de foi, alors les choses se déplacent rapidement. If a man could speak to this tree, si un homme peut parler à cet arbre, itself to the sea, de se déraciner, de se jeter à la mer, without doubting in his heart, sans qu'il y ait doute dans son cœur, alors la chose arrivera. What gives you that kind of power? Qu'est-ce qui te donne cette puissance? The level of connection you have to the Holy Ghost. C'est le niveau de connexion que tu as avec le Saint-Esprit. The ultimate source of power. C'est lui la source de puissance. Amen. Connection. La connexion. Alléluia. There are things you will never get. It doesn't matter how good looking you are. Il y a des choses que tu peux pas recevoir même si tu parais beau. Those that will never be open to you no matter how qualified you are. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'ouvrir même si tu es qualifié pour ça. But because of you, who and whom you have met. Mais parce que tu as rencontré quelqu'un. Because of whom are standing in the gap. À cause de celui qui se tient à la brèche pour toi. And you are accepted. Alors toi, tu seras accepté. Amen. Amen. Paul. In the book of Romans, chapter 1, I think. Dans le livre de Romains, chapitre 1, je pense. He says this, verse 11. Verset 11. Paul says this. Are you tired? No. Are you good? Are you connected? Am I transferring some powers to you? Est-ce que vous recevez un peu de puissance? Vous êtes fatigué? Alléluia. Okay. Romans chapter 1, I think. From verse 11, the Bible says. Romains 1, à partir de verset 16. 11. Listen to what Paul says. Écoutez ce que Paul dit. Let's start from verse 8. Commençons au verset 8. For I thank my God through Jesus Christ for all of you. Je rends d'abord grâce à mon Dieu because your par faith, Jésus-Christ. Your faith is being reported all over the world.
au sujet de vous tous, de ce que votre foi est, est dénommée dans le monde entier. Les dieux que je cherche, in my spirit, dans mon esprit, in preaching the gospel of his son, dans l'évangile de son fils, is my witness, mes témoins, how constantly I remember you, que je fais sans cesse mention de vous. In prayers at all times. Dans mes prières, chaque temps, and I pray that now, at last, by God's will, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. I long to see you, car je désire vous voir, so that I may impact you, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Amen. Cette église, c'est une église qui grandit. Et Paul a dit, je sais que cette église, on parle de ça à travers les mondes, mais il y a quelque chose qui manque toujours. Jusqu'à ce que je vienne au milieu de vous, et alors je vais vous impacter. Je vais vous impacter. What is in me, ce qui est en moi, will go from me to you, ça partira de moi so à vous. You can attain another level of operating. Alors tu vas atteindre un autre niveau d'opération. Alléluia. Power conductor. C'est lui qui distribue la puissance. Amen. Amen. There are spiritual levels you will not reach until you meet somebody. Il y a des niveaux spirituels que tu ne peux pas arriver sans que tu racontes quelqu'un. Et tu t'assois avec eux, ils te parlent. You feel empowered. Et tu sens que tu reçois la puissance. You feel like you will not go, you will not continue to live the same kind of life you are living. Et tu ne vas pas continuer à vivre la même vie que tu vivais avant. You feel empowered. Tu vas être, comment dire, recevoir la puissance. Inspired, et inspiré, to aspire, to inspiré, for something higher, pour quelque chose de plus élevé. Amen. You want me to repeat that? You want to write that? You meet people. Tu rencontres des gens. You talk to them. Tu leur parles. You sit with them. Tu t'assois avec and eux. You feel empowered. Et tu sens que tu reçois la puissance. And inspired. Et tu es inspiré to aspire, pour que tu inspires to something higher, à quelque chose de plus élevé. You sit with them, tu t'assois avec eux, they give you the desire, et ils te donnent le désir to take your relationship with God into another level, que tu amènes ta relation avec Dieu à un autre niveau. Because of the level of their connection with their God. À Amen. Cause du niveau de leur connexion avec leur and Dieu. They are able to pass that to you. Et ils seront capables de te transférer cela. Je ne suis pas en train d'inventer ces choses. Frère Abraham dit dans le message, la sagesse contre la foi. It appears like everyone is just comfortable. Maybe there's something going on here. Je sens que je ne suis pas pressé, je me sens relaxé et je ne sens pas que je dois terminer bientôt. On dirait que quelque chose se passe. Frère Abraham dit ceci. Paragraphe 535. Maintenant, let them soak down into that church. That copper wire, that's a conductor. Now, aluminium wire isn't a conductor. See, it isn't. A rubber hose isn't a conductor. It's an insulator. Wood is an insulator. And the prophet says, we don't want any insulations. We got too much of it now. And now, and makes us, we got too much of insulation that creates isolation. This is what I'm speaking. And he said, so we want, listen, we want conductors. Nous avons besoin des conducteurs. Born again. Qui sont nés de nouveau. Men and women.
hommes et femmes qui croient la parole de Dieu. Amen. Qui sont nés de nouveau? Men and women of God, les hommes et les femmes who are connected to the Holy Ghost, qui sont connectés au Saint-Esprit et ils sont devenus des conducteurs. Et c'est ce que nous avons besoin maintenant. C'est ce que le prophète a dit. Les choses n'arrivent pas seulement parce que tu parles bien. Les choses n'arrivent pas parce que toi tu cries. Amen. Mais il y a la puissance derrière tes mots, c'est ça qui amène le résultat. Les choses. So without power, you can even call upon the name of God. It makes the name of God weak. Sans puissance, quand tu appelles ou tu parles du nom de Dieu, ça fait que Dieu est devenu comme faible. Like as I said, that the name of Jesus Christ is a powerful name. Comme je l'ai dit, le nom de Jésus, ça a de la puissance. Not everyone who calls upon the name of Jesus sees results. C'est pas n'importe qui peut appeler le nom de Jésus qui voit les résultats. Pourquoi? Because of the power of the connection that you have to him. C'est parce que certains n'ont pas la puissance de la connexion if à lui. If you have not established a direct connection to him, si tu n'es pas connecté directement à lui, it does not matter how you scream. Ça ne fait absolument rien, même si nothing tu cries. Rien ne va arriver. Acte 19, verset 11. The Bible says, la Bible dit, and God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul. Dieu even faisait des miracles extraordinaires so avec les mains de Paul. Handkerchief or open aprons that had touched his skin. Sorry, can you show me? Acte 19:11. Je le cherche ici pour ça. Okay. Are you looking? Yeah. Are you on the table? So he says, God was doing extraordinary things. Dieu faisait des choses extraordinaires. By the hands of Paul. Par les mains de Paul. So that even handkerchiefs or aprons. Même le mouchoir ou les habits. That attached his skin. Qui ont touché sa peau. Were carried away to the sick. Ça pouvait amener la guérison left them, et les maladies les quittaient. Et les mauvais esprits les ont quittés parce qu'ils ont touché quelque chose qui a touché a la peau de Paul. Et le transfert de puissance est parti d'un tissu, d'un habit à un homme. I've had more success in divining by praying to handkerchief than laying hands on people. Et frère Brana me dit, j'ai eu plus de succès quand j'ai mis mes mains sur les mouchoirs que quand j'ai posé les mains sur les gens. Full of power. Amen. La puissance pleinement. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus. Et quelques-uns des exorcistes qui invoquaient le nom de Jésus. Alors, quelques-uns ont vu ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Alors, ils se sont dit, bon, nous allons appeler les mêmes noms de Jésus pour faire les mêmes effets. Bon, c'est les mêmes noms de Jésus. Nous aurons les mêmes résultats. Et regardez ce qui leur est arrivé. And the Bible says, et la Bible dit, then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits. Quelques exorcistes juifs tambilants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur. I adjure you by the Jesus whom Paul proclaimed. Dans le nom du Seigneur Jésus, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Seven sons of a Jewish high priest named Sceva. C'était les sept enfants d'un juif nommé Sceva qui faisait ça. But the evil spirit answered them. Mais le mauvais esprit leur dit, Jesus, I know. Je connais Jésus. Paul, I recognize. Et je sais qui est Paul. You, mais vous, qui êtes-vous? Listen, I tell you that
because of you, but because of whom you are coming under. Ah. Quand vous avez la puissance ou l'autorité, Alléluia. Les gens ne vous regardent pas, mais ils vous acceptent de vous obéir parce qu'il y a la puissance derrière vous. Without having any connection to the God of Paul, sans avoir la connexion avec le Dieu de Paul, ils pensaient qu'en prononçant seulement le nom de Jésus, ils auraient le même résultat. Mais le mauvais esprit a dit, je connais Jésus et je ne reconnais pas. Mais toi, qui es-tu? And the man in whom was the evil spirit leaped on them. Et le monsieur en qui étaient les mauvais esprits mastered all of them. S'est lancé sur eux, rendit maître de tous deux, them, et le maltraita so de sorte fled out of that house naked. Qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Listen, you gotta know what you're backing you up. Tu dois avoir quelque chose qui t'a pris derrière. In confrontation with demons, quand tu décides d'aller confronter les démons, to know where you are standing. Tu dois savoir où tu te tiens. You have to make sure that you have been mandated. Tu dois être sûr que tu as le mandat. It is that mandate that gives you the authority. C'est ce mandat qui te donne le pouvoir to speak. De parler. The Bible says the demon overpowered. Listen, they were left naked. La Bible dit que les démons ont eu le dessus sur eux, ils sont restés nus. Because this demon had more power than them. Parce que ces démons avaient plus de puissance. Alléluia. Que Paul knew his God personally. Paul connaissait son Dieu personnellement. He was directly connected to him. Et il était connecté à And lui directement. Was pre-giving power to his word. Et c'est ça qui donnait la puissance And à ses paroles. Body. Et son corps. And as a result or a consequence of that connection, he could speak things. Et la conséquence de cela, il faisait qu'il pouvait dire des choses. Even clothes that will touch him. Even the clothes that touch his body. Même les habits qui avaient touché son corps. Peter will walk his shadow, his healing people. Pierre pouvait passer et son ombre guérissait les malades. Even your shadow is full of power. Même ton ombre est rempli de puissance. Why? Pourquoi? Because of the connection you have established to the power supply. C'est à cause de la connexion que tu as avec Dieu. Branham would walk in a venue and people are getting healed straight away. Frère Branham pouvait rentrer dans les salles et les gens étaient guéris. I was reading somewhere where a woman came in the prayer line. Et j'ai lisé quelque part où une femme était venue à l'aide des prières. And it told you, do you know when me and you had an eye contact, you felt something strange? Est-ce que tu te souviens quand toi et moi nous avons eu un contact visuel et you tu avais something strange, right? Tu avais senti quelque chose and de différent? The prophet says that the moment you were healed. Et le prophète dit ça c'était le moment Because que tu étais guéri. My eyes and your eyes, I have come in connection. Parce que mes yeux et tes yeux se sont rencontrés. And the power that was here, et la puissance qui était en moi touched you where you are. Est allée à toi. And Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Et Jésus-Christ est le même hier, if aujourd'hui et à jamais. These things are written in the word, et si ces choses sont écrites dans la parole, it means we must fulfill them. Ça veut dire que nous devons les accomplir. But it takes connection. Mais ça demande la connexion. Alléluia. Amen. Amen. Revelation chapter 4. Révélation chapitre 4. Brother Abraham says from paragraph 991. Paragraphe 119. Revelation chapter 4. Je crois que c'était la Bible. Oh, okay. Revelation, the message. The prophet speaking. Le message, la révélation de Jésus-Christ. And he says, the preacher's called to preach is and to live it too. Paragraphe 119. Le prophète dit, le prédicateur est appelé. À prêcher, à les vivre aussi. If you can't live it, then you stop preaching. Alors si tu peux pas vivre ce que tu prêches, alors But arrête. You are supposed to live your sermon. Et tu es censé vivre tes propres so prédications. So I cannot come here and tell you about prayer and fasting while I sleep at night myself and eat food. Je peux pas venir vous parler de la prière et de So I have to make sure jeunes, the things that I'm talking, I live them. Donc je dois vivre selon ce que je prêche. Amen. Amen. He says, all right. Il a dit bien. Here was voices. Ici, il y avait les voix. And how we need in Jeffersonville thousands of lived voices. Et comment nous voulons ici à Jeffersonville des voix.
qui vivent ou des voix vivantes. Yes, yes. The thunder of God thundering out in sweetness and holiness. Alléluia. Les tonnerres de Dieu qui sont en train de gronder. Purity undefiled life. Avec sainteté et douceur. Walking around in the earth today. Marchant sur la terre aujourd'hui. Without a blemish. Sans blâme. Yes, sir. Oui, monsieur. Real Christian. Des vrais chrétiens. That's a thunder against the enemy. Ça, c'est un tonnerre contre l'ennemi. Your life can be a thunder Alleluia. To the enemy. Ta vie peut être un tonnerre pour l'ennemi. The devil, listen. The devil don't care how loud you can holler. Ah, les démons n'ont pas peur combien tu cries. The devil don't care how much you can jump or how much you can do this or that or les shout. Les démons n'ont pas peur combien tu peux sauter à l'église ou faire but, des choses à l'église. But what hurts the devil is to see that sanctified. Ce qui fait peur aux démons, c'est de voir cette sanctification. Holy life consecrated to God. Cette vie sainte consacrée à Dieu. Say anything to him. Dire quelque chose à lui. Call him anything. Appelle-le comme tu veux. Just as sweet as it can be and move right on. Comme doux, comme cela peut être et continue de l'avant. Oh my. Oh my. That throw him away. C'est là la voix de that's, loin. That's the thunder that shakes the devil. Ça, c'est le tonnerre qui fait trembler les démons. Just like well, you say if I could preach like Billy Graham or Oral Roberts. Quand tu peux dire si je peux prêcher comme Billy Graham ou Oral Roberts. Or a great influential speaker. Ou comme un grand prédicateur. Oh no, sometimes. Quelquefois. The devil just laughs at you. Le diable ne fait que se moquer. So you can, I can be preaching and saying things, the devil just laughing. Je peux me tenir ici prêchant à dire des choses et bien. Because of the life that I live. C'est mort à cause seulement de la vie que if je vis. If I am not a consecrated preacher. Si je ne suis pas un prédicateur consacré. The devil will laugh at me. Le diable va se moquer de moi. But if I live a holy, consecrated, sanctified life. Mais si je vis une vie consacrée et sainte. When I'm standing here. Quand je me tiens ici. Demons are shaking. Les démons tremblent. But the Bible says that is a thunder. Abraham dit ça c'est le tonnerre contre l'ennemi. And he said he doesn't pay no more attention to that thing. Il ne fait plus attention à ces choses. You could get all the theology. Tu peux avoir toute la théologie. You want all the seminary. Tu vas avoir tous les séminaires. And the devil will laugh at you. Et le diable va se moquer de toi. But when he sees that life. Mais quand il voit cette vie. Amen. Amen. A consecrated life. Une vie consacrée. That is connected to God. Qui est connecté à Dieu. Make the devil shake. Ça fait que le diable tremble. Alléluia. Amen. As I said, we can have a nice building. C'est comme j'avais dit, nous pouvons avoir un we beau can building. Dress nice suit. On peut bien s'habiller. But if we are not a consecrated church. Mais si nous ne sommes pas une église consacrée. We are wasting our time. Nous perdons notre temps. Alléluia. Amen. It is a waste of time. C'est une perte de temps. Alléluia. But we must live a life consecrated. Mais nous devons vivre une vie consacrée. That will give us power. Qui peut nous donner la puissance. Amen. To do what the word says we should do. De faire ce que Dieu a dit que nous ferons. Amen. Last Sunday we spoke about our job description, Mark 16. Le dimanche passé, nous avons parlé de notre job description. These signs will follow all of the believers. Ces signes vont suivre tous les croyants. But it takes consecrated life. Mais ça prend ou ça demande la vie consacrée. To be able to get those results. Pour avoir ces résultats. So without the power of God in this church here. Without the power of God in this church, donc sans la puissance de Dieu dans cette we église, are just fooling ourselves. Nous sommes seulement en train de nous tromper nous-mêmes. We are just presuming. Nous présumons. And Brother Abraham says, presuming is adventuring without authority. Et Frère dit, présumer, c'est s'aventurer sans why autorité. Do you think Jesus gave the disciple power? Pourquoi tu penses que Jésus a donné aux disciples because la puissance? Because without power, the church cannot function. Parce que sans la puissance, l'église ne peut pas fonctionner. With that power, we're just playing religion. Sans la puissance, nous jouons la religion. And God is looking for power conductors today. Et Dieu cherche les gens qui born ont... again men and the women of God. Les gens qui sont remplis de Dieu. Full de of power to empower.
pomba. Pour pouvoir donner aux autres la puissance. Alléluia. Amen. Amen. As I'm going toward the end, let's go back to our scripture. Et comme je vais à la fin, retournons about our à notre lame man there that we read. I am getting there. À notre écriture. Amen. Amen. So this man was there lying at a beautiful place. Alors cet homme dormait sur un endroit beau. As I said, there is no chance. It is not by chance that that place was called beautiful. Ce n'est pas par chance qu'on avait appelé cet endroit belle. He was at the perfect place to be. C'était la meilleure place d'être. Where people could pass by to go to the temple. Quand les gens passaient pour aller au temple. The house of the Almighty God. La maison du Dieu très haut. Who has the power to produce healing. Qui a la puissance but de produire man la guérison. Was there for years still lame. Mais l'homme était là toutes ces années, il était toujours the beautiful important. Place in an ugly condition. Belle place, beau endroit, mais mauvaise condition. People will come there and just give him coins every now and et then. Et les gens passaient là et lui donnaient des aumônes. But nobody could do something for him that could change his life forever. Mais personne ne pouvait faire quelque chose pour lui pour que sa vie soit changée. Gold and silver could not take him out of his misery. L'argent et l'or ne pouvaient pas listen, changer sa misère. What we need today is not gold and silver. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est pas de l'or. It doesn't matter how much money you have. Ça dépend pas combien tu as de l'argent. There are things that you will never get because of your money. Il y a des choses que tu ne peux pas voir à cause de ton argent. There are people who have all the money in the world today. Il y a des gens qui ont tout l'argent nécessaire aujourd'hui. But they have been given 3 days to live. Mais on leur a donné 3 jours à vivre. Because their money cannot do anything to them. Parce que leur argent ne peut rien faire pour Amen. Eux. Amen. So the guy was sitting at the entrance of the temple. Alors l'homme était assis à l'entrée du temple. But his condition remained the same. Et sa condition était restée la même. And as I was reading this, I said, "What a slap in the face of the church!" Et quand je lisais ça, je me suis dit, mais ça, where c'est une gifle. Where a man could sit there. À l'église, un homme peut s'asseoir là. Sick. Malade. And nothing could do anything. Et rien ne pouvait arriver. While the Bible says, the Scripture says, we have given power. Quand l'Écriture dit, on nous a donné la puissance de guérir les malades. But what the Pope, the church did was giving money. Mais ce que l'Église faisait, and c'était today donner de l'argent. We see the same condition. Mais aujourd'hui, nous voyons la même chose. The church is now full involved in social, I don't know, you know, social program and charitable work. Aujourd'hui, l'Église a abandonné la puissance de Dieu pour aller faire des œuvres sociales yes. et charitables. I'm not saying you shouldn't do charitable works. Je ne dis pas que vous ne devez pas être charitable. It is good to do things c'est bon for people. D'être charitable it is pour good les gens. To help the poor with your money. C'est bien d'aider les pauvres avec ton in argent. Fact, the Bible says in the book of James, chapter 1, verse 27, aussi, la Bible dit dans le livre de that Jacques, religion, that religion that God our Father accepts as pure and faultless. La religion de notre Dieu qui est pure et agréable à notre Dieu qui est pure et agréable is à notre to look Dieu, after orphans and widows. C'est de prendre soin des orphelins et de veuves in their distress. Dans leur détresse. And to keep oneself from being polluted by the world. And to keep ourselves from being polluted by the world. De nous préserver de ne pas polluer ou s'essuyer par rapport so it's au monde. Okay to help people. Donc c'est bon d'aider les gens. It is part of the word. C'est fait partie de la parole. But that not only there is. Mais c'est pas la seule chose. Amen. Amen. One day I was listening to a great preacher in America. Un jour je suivais la prédication d'un grand prédicateur and en Amérique. And they asked him. It was an interview. They asked him. C'était une interview. Why don't we see the same miracle that Jesus Christ did today? Pourquoi nous ne voyons pas les mêmes miracles que Jésus avait fait aujourd'hui? And the bishop said, et le bishop a dit, it is because those miracles are not relevant today anymore. Que ces miracles ne sont pas adaptés à nos jours. That science has so much evolved. Parce que la science a tellement évolué. Medicine has so much evolved that we don't need it. La médecine a tellement allé de l'avant and et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de ça. And he had a church of 20,000 people or 30,000 people. Et il avait une église de 20 000 ou 30 000 personnes. Science has evolved that we don't need miracle, really.
La science a évolué, nous n'avons pas besoin If de miracles, c'est vrai. If there is a time that the church needs, the world needs the power of God, it is now. S'il y a un temps où l'Église a Because besoin de la puissance de Dieu, c'est maintenant. Are worsened. Parce que les conditions sont devenues People pires. Are tormented with all kind of demons. Les gens sont tourmentés par tout esprit. Look at the rate of death by overdose in the US and Canada. Regardez les taux de gens qui meurent parce qu'ils ont pris de la drogue. The rate of suicide. Le suicide. Why? What do you think is happening? Et qu'est-ce que tu penses qui arrive? The devil has invaded. Les démons ont envahi. And there must be a church of people full Et of il doit y avoir une église de gens remplis de puissance. Ils doivent s'élever pour Alléluia. Affronter ces gens. So, shame on that bishop. Alors, honte à ce bishop. Just because you live in America, you say you have everything. You don't Parce que tu vis en Amérique, tu penses que tu as tout. Listen, last time I said, Alléluia. It is not motivational speech that will change people. Ce n'est pas la motivation ou quelque chose qui va changer les It gens. It is the manifestation of the power of God. Mais c'est la manifestation de la puissance de And Dieu qui change les gens. The gospel. C'est ça l'évangile. It's such a disgrace to hear such a thing coming from a man who's supposed to be a man of God. Quand on attend de telles choses sorties d'un homme qui est censé être appelé serviteur de Dieu, c'est une honte. Listen, I don't call myself a man of God. Je ne m'appelle pas serviteur de Dieu. Because I don't think I've reached that level. That Je level. Ne pense pas que j'ai déjà atteint ce niveau. Do you know what Elijah says? If I'm a man of God. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, Let fire come from above and burn you. Laisse que le feu vienne d'en haut pour te brûler. Until you have not reached the ability to speak and fire come down, be careful from calling yourself a man of God. Si tu n'as pas encore arrivé à un niveau où tu prononces la parole, le feu descend, fais attention de ne pas appeler homme de Dieu. I'm a child of God. Je suis un enfant de Dieu. And I hope one day I will reach a level of a man of God. Hallelujah. Et je crois qu'un jour j'atteindrai le niveau d'homme de Dieu. So the guy was sitting on a beautiful place. Et l'homme était assis à un bel endroit. At the appropriate place to be. Meilleur endroit d'être. But nothing was happening until one day. Rien n'arrivait jusqu'à ce qu'un jour. Another kind of people passed by its way. Un autre genre de gens passe par là. So many people has passed by that way. Beaucoup de gens sont passés par But là. But this day there was two people. Mais ce jour-là, il y avait ces deux hommes. Who were different from all the others. Mais ils étaient différents des autres. And they passed by that way. Alors ils sont passés par là. And the guy stopped them. Et le monsieur les a arrêtés. To ask them money like he did with all the others. Pour leur demander le monde comme il le faisait avec les autres. He asked them for gold and silver. Il leur a demandé de l'or But et de l'argent. Before Peter said anything to that guy, avant que Pierre ne puisse dire quoi que ce soit à ce monsieur, he told him, Look at us. Il lui a dit, regardez-nous. Look at us. Regarde nos yeux. Something was about to happen. Quelque chose était sur le point d'arriver. A transfer of transfert de puissance. Alléluia. Amen. He said, Look at us. Il a dit, regarde-nous. The guy asked for money, and they said, Look at me. Et le monsieur qui demande l'argent, mais il lui dit, regardez-nous. Listen, look at us. Regardez-nous. If only people could just look at us. Si les gens pouvaient seulement nous regarder. Amen. Amen. And the Bible says that the guy looked at them. Et la Bible dit, le monsieur les a regardés. Expecting something from them. Il attendait quelque chose de leur part. Amen. You see, why did Peter say, "Look at us"? Pourquoi Pierre a dit, regardez-nous? He wanted to catch the man's attention. Il voulait avoir l'attention de ces gens. Before that transfer and connection can be established. Avant que ces transferts et cette Hallelujah. Connexion puissent être établis. Look at us. Regardez-nous. And suddenly the man changed the way he was looking at them. And the Bible says expecting something from them. Et directement quelque chose a changé. Le monsieur attendait quelque chose de. If you could only give your full attention. Si seulement tu peux faire attention to what is happening here, pleinement à ce qui arrive ici, something will take place. Quelque chose va arriver. We come to church. Venons à l'église. Some people after this service don't even remember what scripture we read. Quelques gens rentrent à la maison, ils vont même pas se souvenir de qu'est-ce qu'on avait lu comme écriture. What was the topic?
Et quel était le sujet? Because of the level of the attention they gave to the service. C'est à cause de Amen. L'attention qu'ils donnent au service. And some of them et quelques-uns will go out here blessed and empowered. Ils vont repartir bénis et puis restés en puissance. Parce qu'ils avaient donné toute leur attention. Because what you give your attention to determine your direction. Parce que c'est à quoi tu donnes ton attention trace ta destinée. One day I was running on a treadmill. Un jour, j'étais en train de courir. And something caught my attention on my left side on this on TV. Et quelque chose a attiré mon attention. And as I was running on the treadmill, I look aside. Et comme j'étais en train de courir, within j'ai regardé a split à côté. Second, I knew I was going to fall. Et j'ai senti que j'allais tomber. Because there was no way I could run forward looking aside. Parce que c'était difficile de courir devant What et de regarder you à côté. Your attention determine your direction. C'est à quoi tu donnes ton attention détermine you ta direction. You want a result, you have to give full attention. Si tu veux le résultat, tu dois donner toute ton attention. You have to give full all your focus. Et tu dois donner toute ton Amen. Attention. Oh yes. Oui. Sometimes in life you are not moving forward because you keep minding everything that is happening around you. Quelquefois, tu n'arrives pas à avancer tout droit parce que tu continues à regarder tout And ce qui se passe autour de toi. Distraction. Et ça crée la distraction. So, the Paul look at we want your full attention. Et Paul a dit Pierre, j'ai besoin de ton attention. Speak about that little boy. Et frère, on parle de ce petit enfant. That contest that was organized to ride a bike on a small plank of wood. Et pour ce petit garçon, il faisait une compétition and, pour rouler sur une planche. Et il y avait d'autres qui venaient, qui étaient vraiment But très bons, mais ils tombaient. That was neglected by everyone, mais l'homme qui était négligé par tout le monde, take his bicycle, il a pris sa mobylette, and walk on that plant of wood. Son vélo, il a traversé sur he reached la planche, the destination, et il est arrivé and jusqu'au everybody fond. Was amazed. Et tout le monde était And émerveillé. When they asked him a question, what is your secret? Ils lui ont posé la question, quel est ton secret? He said, you, what made you fall, it's because you were so focusing, looking down to make sure you don't fall. Il a dit, vous êtes tombé parce que vous regardiez à côté des paradoxes pour ne pas tomber. Quand tu regardes en bas, to make sure you don't fall, you fall. Et tu ne vas pas tomber, tu tomberas. But when you remain focused to the goal, mais quand tu regardes l'objectif, you will reach the destination. Tu vas atteindre la destination. Amen. So we must give full attention. Alors nous devons donner toute notre attention. And the Bible says, he looked at them like expecting something. Et la Bible dit, il les regardait comme pour recevoir quelque chose. Oh, if only the people of God will come to church expecting something. Si seulement le peuple de Dieu venait à l'église et s'attendait à recevoir quelque if chose. If we could start preparing ourselves from home from the service. Si nous pouvons commencer à nous préparer de l'église à partir de nos this maisons. This church will be full of people outside before even the door is open. Cette église sera remplie de gens avant même qu'on puisse Because ouvrir. We know that when we come in here, parce que nous savons quand nous arrivons ici, something happened. Quelque chose arrive. Amen. Amen. I'm going to finish. Et je termine. Abraham says, Abraham dit, in the message convinced and concerned, dans le message convaincu alors concerné, you must be sure. Tu dois être sûr. The Holy Spirit will bring forth a holy life. Que le Saint-Esprit va amener une vie sainte that is right, qui est correcte. And if the desire is in your heart, et si le désir de ton cœur, if you have to be forced, if you have to force yourself constantly, si tu dois te forcer toi-même tout le temps, to try and to press and do what is right, et de faire plaisir et de faire ce qui est juste, then the world is still hungering in you. Ça veut dire que la parole n'est pas encore vraiment en toi. There is something wrong. Il y a quelque chose de if faux. If to live a right sanctified life, it must be a strain. Si vivre la vie sanctifiée doit être un effort. There is still the world in you. Ça veut dire que le monde est encore en toi. If it is still hard for you to go to church. Si c'est difficile pour toi d'aller à l'église. And press yourself to come to church.
Et tu dois te forcer pour when aller à l'église. The church is open, quand l'église est ouverte, there is something wrong with your spirit. Ça veut dire il y a quelque chose de mauvais dans ton esprit. Yes, if you are becoming so comfortable to stream at home, si tu es devenu très confortable de suivre en ligne, watch the spirit that is telling you that. Regarde l'esprit qui te dit de faire ça. You must come at church. Tu dois venir à l'église. Listen, the prophet says, le prophète dit, there is something wrong with your spirit. Il y a quelque chose de faux avec ton esprit. He's trying to keep you away from God. Ça veut te garder loin de Dieu. The spirit of God will run you right straight to the church every time that the door is open. L'esprit de Dieu t'amènera tout droit aux portes de l'église tous les jours qui est service. For fellowship. Pour adorer. Yes, sir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. The Holy Spirit will make you run to church. Le Saint-Esprit t'amènera à l'église. This is the prophet speaking. Ça, c'est le prophète qui le dit. Just because, listen. Hebrew chapter 10, 23. Hébreux chapitre 10, 23, 25. Let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Listen, not giving up meeting together. Amen. Yeah. As some are in the habit of doing. Certains ont les habitudes de faire. But encouraging one another. Mais nous devons nous encourager les uns les autres. And all the more as you see the day approaching. Au fur et à mesure que nous voyons le jour so avancer. The more near is the day of the Lord. Les mots prêts. We have to more gather. Ça veut dire que nous voyons la venue du Seigneur arriver, nous sommes censés nous réunir. The more we have to gather. Exactement. So don't get fooled with those nonsense of streaming from home. You have to come to church. Alors, ne prenez pas cette habitude de regarder de loin, venez à l'église. If the Holy Spirit is in you, it will run you to church. Si vous avez le Saint-Esprit, vous viendrez à l'église. If you think you can sit home with a cup of tea listening a sermon, si tu penses que tu peux rester à la maison avec une tasse de thé et suivre la prédication, like you are in a cinema, comme si tu étais dans un cinéma, you don't listen to the word like that. Alors là, tu ne suis pas la parole. Alléluia! And Paul said, Peter said, look at me. Et Paul a dit, regarde-moi. They gave him his full, he gave them his full attention. Alors, il a demandé qu'on puisse vraiment les regarder and Paul, pleinement. And Peter says, gold and silver. I don't have. Et Pierre a répondu, je n'ai pas l'or but et l'argent. What I do have, mais ce que j'ai, I give it to you. Je te le donne. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Walk. Marche. Hey, what do you have? Qu'est-ce que tu as? That when you speak, quand tu parles, somebody who has never walk. Quelqu'un qui n'avait jamais marché puisse marcher. The quickening power. La puissance qui agit. La puissance vivifiante. The quickening power was so full in him. La puissance de vie était pleinement en lui. That he could pass that to other. Que il pouvait donner ça à l'autre. As I said that phone had all it takes. Comme je l'ai dit, ça a tout ce qu'il faut, le téléphone. But somebody has to pass by to establish a connection. Mais quelqu'un doit passer là pour établir la connexion. This man had feet. Cet homme avait les pieds. He had limbs. And the Bible says they were weak. Mais la Bible dit c'était faible. But after Peter held him by his hand, mais quand Pierre l'a tenu par ses mains, and what he had was in him as touched reached to him. Alors ce qui était en Pierre a touché ce monsieur. His weak limb has received the strength to sustain him. Et la faiblesse de ses membres ont reçu la puissance because of the de se fortifier. C'est à cause de la puissance was transferred to the connection. Qui était transféré à la connexion. Peter knew Jesus personally. Pierre connaissait Jésus personnellement. So he was not talking about some history. Il ne parlait pas de l'histoire. Amen. The Bible says his feet and ankles received strength. Ses jambes, tous ses membres ont reçu de la puissance. Because a man has touched by his hand. Parce qu'un homme l'a touché à la main. And said, "What I have, I give to you."
Et lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que nous avons? Amen. Amen. Listen. Écoutez. If I ask you here, do you believe that God is omnipotent? Si je te demande, tu crois que Dieu est tout puissant? Everybody will say yes. Everybody will say amen that God is omnipotent. Tout le monde dira amen. Oui. But God is omnipotent, yes. Dieu est tout puissant, c'est vrai. But when a man is also connected to that omnipotent power, mais quand un homme est aussi connecté à cette toute puissance, that man becomes omnipotent. Et cet homme devient aussi tout puissant. Yes, he becomes a power conductor. Il devient une puissance because qui peut transformer. His life is not his life anymore. Parce que sa propre vie ne lui but appartient plus. Christ living in him. Mais c'est Christ qui vit en lui. The Patmos vision. La vision de Patmos. 251. Abraham dit. Amen. Cut every obstacle from human beings. Enlevez tous les obstacles d'un être humain. That they may be connected like in the Garden of Eden. Et s'ils peuvent retourner à la connexion comme au jardin d'Eden. Now, I was going to choke it. Maintenant, je vais vous secouer. But I'm going to say it. Mais je vais le dire. Il voulait les garder pour lui-même, il ne voulait pas les dire. Mais moi, je vais vous les dire quand même. Man is omnipotent. L'homme est tout puissant. Amen. You have to say amen. Man is omnipotent. L'homme est tout puissant. You don't believe that, but he is. Vous ne le croyez pas, mais il est omnipotent, l'homme tout puissant. The prophet says you may not believe that, but that won't change anything. Le prophète dit, vous pouvez ne pas le croire, mais your ça ne va rien changer. Don't stop God. Ton incrédulité n'arrête pas but Dieu. When a man is connected to the omnipotent God, mais quand l'homme est connecté au Dieu tout puissant, that man become omnipotent. Cet homme devient tout puissant. That when he speak, quand il parle, life comes. La vie vient. He said, did he not say in Mark 11, 22, il n'a pas dit à Marc 11, 22, whatsoever things you say and don't doubt in your heart, n'importe quelle chose que tu diras, que tu ne doutes pas dans ton cœur, it will come to pass. Et cela viendra d'arriver. You can have what you say. Et tu auras ce que tu as dit. And listen, amen. Hallelujah. Hallelujah. He said, when, what happened when two omnipotent meet? Mais qu'est-ce qui arrive quand deux tout-puissants se racontent? When God and man comes together, quand l'homme et Dieu viennent ensemble, two omnipotent, deux tout-puissants, something got to shake it. Quelque chose va se passer, va bouger. Man is omnipotent. L'homme tout-puissant. And when a man et cet homme and God, they come together, et c'est Dieu tout-puissant se racontent. Et le prophète dit, ça c'est deux tout-puissants. Il dit, obligatoirement, quelque chose doit arriver. Le tout-puissant. Amen. Ils ont toute la puissance. Alors, il nous conseille de rentrer à la connexion que nous avions au jardin d'Éden avant que l'homme ne puisse tomber. Whatsoever you say with that creative power of omnipotence of God, n'importe quelle chose que tu diras avec cette puissance de transformation de Dieu, knowing that he's promised, croyant que cela a été promis, he said it in his word, il a dit dans sa parole, it creates a power that goes out yonder. Il crée la puissance qui passera par vous and bring things to pass. Et amènera les choses à arriver. Listen, things écoutez, that, things that is not, les choses qui ne sont pas, it makes them as though they are. Il fait en sorte qu'ils soient. Because parce que two omnipotent have met. Deux tout-puissants se sont rencontrés. Man and God have become one. Dieu et l'homme sont devenus un. Cette union invisible a pris place. And everything that was in God was put in Christ. Alors toute chose qui était en Dieu a été mise en Christ. And everything that was in Christ was put in the bride. Alors tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. The omnipotence power. Alors l'homme a la toute puissance de Dieu. Things
de faire en sorte que les choses qui ne sont pas puissent y être. Amen. La puissance de la connexion. Je suis content que Dieu ait attendu jusqu'à aujourd'hui pour que je prêche ça. John chapter 15, verse 5. Jean 15, verset 5. I am the one, you are the branches. Je suis le vin et vous êtes les branches. If you remain in me and I in you, et si moi je demeure en vous et vous en moi, much fruit. Tu vas produire beaucoup de fruits. Apart from me, you can't do nothing. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Until you must stay connected. Ah, tu dois demeurer connecté. If you disconnected yourself, si tu te déconnectes de moi, dead. Tu es mort. Hallelujah. Amen. And listen, branches. Écoutez. Branches don't produce their own fruit. Les branches ne produisent pas leurs propres fruits. They bear the fruit of the tree they are attached to. Ils portent le fruit. Amen. De l'arbre avec lequel ils sont attachés. They just bear the fruit because of the connection they had to the tree. Ils portent simplement des fruits parce qu'ils sont connectés à un arbre. So what Jesus was saying here, Jesus was saying here. Ce que Jésus disait ici, if you remain attached to me, si tu demeures attaché à moi, the life that I have, la vie que j'ai, to you, ça va venir à toi. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Jean 14, 12. I'm gonna say this and I hope somebody take this picture and cut it, this video and cut it. And post it on social media. Je vais dire ceci, je pense que quelqu'un va couper ça don't pour poster ça aux médias sociaux. Don't believe those nonsense from the Branhamites. Ne croyez pas les choses que les Branhamites font. Who's the Branhamist? Ouais, les Branhamistes. Yes, who said that John 14, 12 is only for Brother Branham? Qui disent que Jean 14, 12 est seulement pour Frère Branham. Foolishness lies from the devil. C'est un mensonge venant du diable. Scripture applies to all the believers. Ça, c'est pour tout croyant. Yes, sir. If Brother Branham was able to produce the result that he produced, sir, si Frère Branham était capable de produire les résultats, it is because of the level of connection he had to God. Parce qu'il avait un niveau de connexion and avec Dieu. We can also dedicate ourselves in such way, et si nous pouvons nous mettre dans la même condition, nous allons faire des œuvres grandioses. Amen. Oh, I'm finishing church. And we're gonna pray for the sick today. Et nous allons prier pour les malades. Je termine. If what I'm saying is true, God must come and vindicate it. Si ce que je dis est vrai, Dieu va l'accomplir. If you have a request, wait patiently. Et si tu as une requête, sois patient. We pray for you. Nous allons prier pour toi. It is the rising of the sun. C'est le lever du soleil. No matter how much theologians claim, peu importe ce que la théologie déclare. How well you got your church set, et comment tu as bien arrangé ton église. How much education you got, combien tu es éduqué. How much like the Bible until that wave shift. Yeah, how much education you got, et combien tu es bien éduqué. But until the Holy Spirit comes in you, that's the idea, the context. Yeah, mais le contexte c'est que si le Saint-Esprit ne vient pas en toi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne en toi, comes upon that person to quicken the word. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne dans la personne pour faire en sorte que la parole prenne vie. The gasoline represents the word. Le gasoil représente la vie. It is the truth. C'est la vérité. But without the Spirit, it won't move. Mais sans l'Esprit, ça ne peut rien arriver. We have put too much stress on the mechanic. Nous avons trop mis dans la mécanique. And nothing on the dynamic. Et rien dans la dynamique. It needs the dynamic power of God. Ça prend la dynamique puissante de Dieu. The resurrection power of Jesus Christ. La puissance de résurrection de Jésus sur l'Église. To manifest and to bring to pass that is gasoline. De manifester ce gasoil. It might be in a gasoline can. Ça, le gasoil peut demeurer dans. It could still be water. Dans un bidon où ça peut être de l'eau. See, but the only proof of it is. La seule preuve est que. Put that life on it. Mettez cette vie dans and le produit. Prove whether it's gasoline.
Et ça va prouver si c'est de l'eau ou c'est le gasoil. As we spoke, I spoke in the introduction, comme je l'ai dit en introduction, that power, you only know it by its result. Tu connais seulement la puissance par les résultats power que ça a. Don't explain too much. La puissance ne s'explique pas beaucoup. Abraham says you can have water in your car. Abraham dit tu peux avoir de l'eau dans ta voiture. The only way you will know that it is not water in there. Tu sauras que ce n'est pas de l'eau. When you start, it start. Quand tu vas démarrer, ça démarre. And that's what the church needs today. Et c'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Nous avons trop mis du stress dans la partie mécanique. Time to look for the dynamic. Et c'est le temps de chercher la dynamique. Listen. Écoutez. And when you try to put the Holy Spirit in a denomination, et quand tu essayes d'amener le Saint-Esprit dans une dénomination, you are as much as trying, you can get a splatter. You will ruin your engine. Tu vas détruire ton moteur. By getting it full of carbon. Parce que ça va produire beaucoup de carbone. You cannot pull the Holy Spirit in a denomination. Tu ne peux pas amener le Saint-Esprit dans une dénomination. You will get a splatter. You will ruin your car. Tu vas détruire ton moteur. But oh God. Oh Dieu. I'm so glad there is a 10,000 octane power. Hey, je suis si content, il y a 10,000 octaves de puissance. The word of God. La parole de Dieu. And a Holy Ghost to light it up. Et le Saint-Esprit de l'allumer. To resurrect the power of God into a man's life. Et de ramener la vie de Dieu or dans un homme. Life, ou dans la vie de la femme. Into a church qui vient à l'église. That shoved that Cadillac down the road yonder. That's what makes the Cadillac move. Ah, c'est ce qui fait que la Cadillac puisse fonctionner ou rouler. Like the gasoline will move a Cadillac, the same thing the Holy Ghost in a man will move him. Donc, de la même façon, le Cadillac bouge par le gasoil, le Saint-Esprit fera que la femme ou l'homme puisse avoir la puissante dynamique de Dieu. Which came back and was waved on the people at the day of Pentecost. Qui est revenu, qui travaillait avec les gens de Pentecôte. Making him the same yesterday, today and forever. Faisant de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. The only way, listen. La seule façon. The only way that we can prove that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. La seule façon nous pouvons prouver que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. If we can produce what he did. Si nous pouvons produire ce que lui l'a fait. Then, it's just a slogan. Jusque-là, ce n'est qu'un slogan. Amen. The only proof that he is the same yesterday, today, and from if we can do what he did. La seule preuve, c'est que nous pouvons produire ce que lui l'a fait. And that's what we must aspire to. C'est ce que nous sommes censés faire. Benson Idahosa, as a young man in Nigeria. Benson Idahosa, il y avait un Some jeune monsieur en Nigeria. Benson Idahosa. Idahosa. He's a Dao. Benson Idahosa once a day was listening to a sermon from his pastor. Ce monsieur écoutait les prédications de son pasteur. He was still a young man. Il était un jeune. And the pastor says Jesus has given us the power to raise the dead. Et ce pasteur a dit que Dieu a donné la puissance à son pasteur là de ressusciter les gens. À la fin du service, le monsieur lui a posé la question, est-ce que Jésus vraiment dit ça? Et il a montré les Écritures. Et lui posa la question, toi tu l'as déjà fait? Et le pasteur a commencé à se gratter. Et le garçon a pris son vélo. Et il est parti tout aux alentours de chez lui. Et il frappait aux portes des gens. S'il y avait quelqu'un de mort, il allait les ramener à la vie. Parce que son Jésus avait dit qu'il le ferait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mort ici? Il y a quelqu'un de mort ici? Il continue. Une histoire vraie. Et il est arrivé à un endroit où il a trouvé un enfant était mort. Il a dit que quelqu'un est mort ici. Jésus a dit nous pouvons lever les morts. Il a pris sa Bible.
When Jesus went to the house to raise that Talita, that young Talita Kubi, that young girl. Il allait là où Jésus était parti dans cette maison pour réveiller cette jeune femme. Et Jésus avait demandé aux ceux qui pleuraient de sortir. Et il a dit, vous tous là, sortez. Don't stop crying. And people arrêtez thought, de pleurer. What is happening with this young man? Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui arrive à ces messieurs? And he read that Jesus spoke to the child. Et il a lu, Jésus avait parlé and à l'enfant. Said, young woman, raise up. Et il a dit, Talita Kumi. And he spoke et il a parlé à cet enfant with an innocent faith of a young man. Avec l'innocence foi and d'un enfant. The child raised up. Et l'enfant s'est mis debout. And look, what is the next thing that Jesus did? Quelle était la chose suivante que Jésus he a faite? Donnez-lui à manger. Hallelujah. Amen. Why? Pourquoi? Taking God at his word. Il a pris Dieu au mot. And the man has lived his life. Et l'homme a vécu sa vie. And it's believed that there is no black man that has preached to more white men like Idaosa. Et Idaosa a prêché à plus de blancs, plus que n'importe qui. Il n'y a pas un homme noir qui a prêché plus aux blancs que Idaosa. C'est exactement ce que je dis. Yes. And there is no white man who has preached to more black people than Idaosa. What? And you have. Hallelujah! Was he a black or a white? He was black from Nigeria. Okay. We still talk about him today. One day they put a woman in his hotel room so that they can go get him. Et un jour ils ont mis une femme dans son hôtel. So that they can use him. He was a fake servant of God. Et on allait l'accuser qu'il était un faux serviteur de Dieu. I don't know how they managed to hide and sneak. In the middle of the night while he was sleeping, the woman was supposed to come naked and lie under him. Et pendant qu'il dormait, la femme était censée venir pour dormir sur lui. So that they can catch and say she was a fake man of God. Et ils vont dire qu'il était un faux serviteur de Dieu. That she was hiding, et là, dans l'armoire qu'elle s'est cachée, he just heard somebody start screaming, fire, fire, fire. Et elle a entendu quelqu'un qui disait feu, there feu. Fire here. Il y a le feu ici. Hallelujah. Amen. Connection. La connexion. Has made a man a power conductor. Il est devenu un transfert Hallelujah. De puissance. The marriage of the lamb. Le mariage de l'agneau. Brother Branham says, and until the church of the living God. Frère Branham dit jusqu'à ce que l'église de Dieu. That is called the bride of Christ. Qui est appelé l'épouse de Christ. We get a self connected with God like that. Deviendra connectée elle-même à Dieu comme ça. She will wallow in the world. Ah, si elle n'est pas connectée, elle va demeurer dans le monde. In the miry clay of sin. Là, dans le péché. Until she's connected with God in such a way, jusqu'à ce que cette église soit connectée à Dieu d'une façon. Her heart is so filled with glory and power of God, que son cœur serait rempli de la gloire de Dieu. Until she can see nothing else but Christ, jusqu'à ce qu'elle ne voit rien d'autre que Christ. And says that what we will have to do. Et ça, c'est ce que nous sommes censés That's faire. The only plan. C'est le seul plan. That's the only program God has. C'est le seul programme the de Dieu. The only program that God has c'est le seul programme de Dieu. So connected to him, d'amener le peuple, d'être connecté à lui. Power and glory of God. Alors il serait rempli de la gloire Amen. Et de la puissance de Dieu. You've got to be not artificially to. He said that's the only. It has to do something like that. You've got to be not an artificially token. Nothing artificial. Tu ne dois pas prendre les choses artificielles. You've got to be born in. Tu dois être né dedans. Not choking. Non pas mis dedans. But bring by a letter to the church. Ou être amené par quelqu'un ou par une lettre. But to be born in the church of the living God. Mais d'être né dans l'église du Dieu vivant. By the regeneration. Par la régénération. By the power of the resurrection of Jesus Christ. Par la puissance de Jésus-Christ. That makes you a new creature in him. Il va te faire une nouvelle créature Amen. En lui. Amen. He says that straighten up, that does it. C'est cela que cela fait. Amen. Amen. Demonology. La démonologie. 55. I'm just going to read the rest of the quote. 55. The Holy Spirit said to me. Le Saint-Esprit m'a dit. Go to the wilderness.
Va dans le désert. As hard as you can. Dur comme tu peux. I grab my coat and hat. Et j'ai pris mes choses, je suis. And I said, Brother Bozov, you take the pulpit, I'm gone. Et j'ai dit à Frère Bozov, toi tu prends la chair, moi je pars. And I went out and stayed there till I got in connection with God. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que je sois en connexion avec Dieu. Amen. He said, my voice came back, come back to normal. Et ma voix est redevenue normale. It's revealed to me that is. He was dealing with certain things. Yeah, il était en train de passer à certaines choses jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dit va dans la forêt, dans le désert, jusqu'à ce que tu sois connecté. Et je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à travers la connexion, il y a la communication. He says now it's just a bit little bitty thing. You wait till we return back from Africa. Watch what's taking place now. Regarde ce qui arrive maintenant. The church is rising. L'église s'élève. Brother, the power of God. Frère, la puissance de Dieu. The tide is higher, moving on. We are going from deeper depth and higher heights. Nous sommes en train d'aller profondément dans les profondeurs et dans les hauteurs. The old fashioned apostolic Pentecostal power of God that was once dwelt upon the disciples. L'ancienne puissance apostolique et pentecôte it has et de Pentecôte back to the church. Est censée revenir à l'église aujourd'hui. Amen. And that's he said. So, as I said, we are not talking about things just for the purpose of talking. Parlons pas des choses seulement pour parler. This connection is created through the life of consecration. Cette connexion est créée par la vie Amen. De la consécration. And it is a day-to-day thing. Et c'est une chose qui s'avère jour par jour. When you have an iron that is hot, quand vous avez un fer qui est chaud, when you unplug it, it doesn't go cold straight away. Et quand tu l'enlèves, n'est-ce pas, de la plaque, ça ne va pas se refroidir rapidement. Slowly, slowly, it loses its warmth. Petit à petit, ça va se refroidir. So just because you have had an experience today with God doesn't mean that's enough. C'est pas parce que tu as eu l'expérience avec Dieu aujourd'hui que cela suffit. Every day you need a new experience. Chaque jour tu as besoin d'une expérience. That will sustain you for that day. C'est qui va te soutenir pour ces jours-là. God could have done might, and there are people when you meet them today, all they talk is about their past experiences. Et quand tu racontes les gens aujourd'hui, ce qu'ils te racontent, c'est seulement les expériences passées. And that's why you understand they've been disconnected. C'est là où toi tu comprendras qu'ils sont disconnectés. And now they are just cold. Alléluia! Et maintenant ils sont froids. But it's a day-to-day thing. Mais c'est une chose your journalière. Phone can be 100% fully charged to now. Ton téléphone peut être chargé but aujourd'hui. You know that it's just a matter of time it will run down. Mais ce n'est qu'une question you de temps. Plug it again. Ça va se décharger, tu dois so les placer encore now and then, sous électricité. You must go back into the back of the alors, tu dois repartir au désert. Faire en sorte que tu sois dans la présence. Et tu continues à recevoir la puissance pour faire la même chose aux autres. Écoutez, Dieu est réel. Ces choses fonctionnent. C'est comme j'ai dit, je suis jeune. Tu as plus d'expérience que moi. Vous avez plus d'expérience que moi. But words are powerful. Mais la parole est puissante. That power comes because of the life that you live. Et la puissance vient à cause and de la vie que tu vis. Day, je vais vous donner deux témoignages. Un, wife, there, un having, jour, ma belle femme, she start having pain on her breast. Elle a commencé à avoir mal au sein. And it was if there was a lamp there. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y avait là-bas. We didn't know what was happening. Nous ne savions pas qu'est-ce qui arrivait. It was becoming more painful and painful and painful. C'était, ça faisait mal et mal. And we decided to call the emergency if we could get an emergency appointment to the hospital. Et si nous avions appelé l'urgence, ils pouvaient avoir un rendez-vous. They said we can come quickly. Ils ont dit nous pouvons venir rapidement. She was breastfeeding and she stopped even breastfeeding from that breast because we didn't know what was happening. Elle était en train d'allaiter l'enfant, donc elle a allaité d'allaiter de ses seins. Elle s'est préparée, elle est partie se préparer pour aller and à l'hôpital. Said, let's pray first. Et j'ai dit, prions d'abord. And when we
pray, et quand nous avons prié, instantly, quelque chose, the pain was gone. We've never directement, met real things. La douleur est partie, c'était la réelle foi. I've prayed for a sister who suffered with constipation. J'ai prié pour une sœur qui souffrait de la constipation. Even elle pouvait faire 9 jours sans aller au sel. Mais nous avons prié. 2 years passed, she's fine. 2 ans passés, elle est bien. Is listen, it's just, et it's tout va bien. And I, it's just not a condition like this is who I am. Who told you that that's who you are? It's not the condition, ce n'est pas la condition. I get this from et dire que ça, c'est ce que je suis. I heard the reason I get this from Brother Peregrine. He said he was suffering with constipation. He could go for 2 weeks without going to the toilet. J'ai entendu Frère Peregrine dire la même chose. Il faisait 2 semaines sans aller à la toilette. And that caused him to have pimples on his face. Et il avait des boutons sur le visage. And constipation kills. Et la constipation, ça peut tuer. But one day, Brother Abraham called him in the meeting. Et un jour, Frère Abraham l'a appelé. And that thing was gone. Et cette chose était so partie. So we do not talking about females here or fables. Alors nous parlons pas seulement de choses comme ça. Je parle comme John a dit dans un verset, Jean 1:1. C'est là depuis le début. Which we have heard, ce que nous avons entendu. What which we have seen, et ce que nous avons vu. With our own eyes, avec nos propres yeux. Which we have looked at, ce que nous avons regardé. Our hands have touched, et nos mains ont touché. Ce que nous proclamons concerne les paroles de vie. Listen, even the baptism of the Holy Spirit, même le baptême du Saint-Esprit. Sometimes somebody has to lay hands on you for you to receive it. Quelquefois, les gens doivent t'imposer les mains pour yes, les recevoir. Sir, you can receive it by faith, but tu peux les recevoir par la foi. Sometimes somebody has to create a direct connection. Quelquefois, quelqu'un doit créer la connexion directe. You read that in the book of Acts, chapter 8, verse 4. Tu vas aller lire un livre des Actes. The Bible says Philip went and preached and there were miracles. Philippe était parti avec des miracles. The people believed God, but they did not receive the Holy Spirit. Les gens avaient cru en Dieu, mais n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Until when Peter came and laid hands on them, that's when they received the power. Jusqu'à ce que Pierre est venu, il a imposé les mains à ces gens, ils ont reçu la puissance. A direct connection. Une connexion directe. Amen. The musician can come. Alléluia. Alléluia. And that's the only plan of God today. C'est le seul plan de Dieu aujourd'hui. Is that church of God will reach that level. Si l'église de Dieu peut arriver à ce niveau. That we won't do much talking. Et nous ne parlerons pas beaucoup. But our life. Mais notre vie. Will have give our words power. Amen. Ça va donner la puissance à nos paroles. Amen. Yes, sir. Yes, we have a prayer request here. Let's sing, there is power. There is power in the name. There is power, power, wonder-working power in the name. Or is in the blood of the Lamb? There is power, power, wonder-working power. Let's stand on our feet and start worshiping God as we are preparing to pray. Oh, oh.